Acclame Jésus. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur Jésus, Seigneur, nous nous livrons totalement à toi pour être instrument par qui tu vas éclater ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, nous diminuons et que tu croisses. Saint-Esprit, nous nous soumettons à la voix de ta pensée, de ta volonté. Et nous nous effaçons. Saint-Esprit, nous voulons éviter en nous-mêmes des murmures afin que ta parole assujettisse chacun et imprime ta volonté en chacun. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as été élevé, de la même manière, Seigneur, notre âme soupire et notre esprit soupire à être élevé après toi. C'est pourquoi que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Lord Jesus. Peuple de Dieu, que people of God, le Seigneur soit glorifié. May the Lord be glorified. Ce matin, le this Seigneur morning, Jésus the Lord Jesus veut nous enseigner, veut nous communiquer son message. Want to teach us his message. Et par la grâce de Dieu, by God's grace, je parlerai I will talk about de la part du Saint-Esprit. From the Holy Spirit, je donnerai le message I will qu'il give a message pour l'Église, he has to the church, pour le peuple de Dieu. To the people of God. Je parlerai I will talk par le langage du Saint-Esprit. By the language of the Holy Spirit. Et je communiquerai and I will communicate ce qu'il a prévu pour son peuple. For his people. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que la gloire soit rendue the glory be à notre Seigneur Jésus. To our Lord Jesus. Le thème que le Saint-Esprit nous donne ce matin the Holy Spirit give us est intitulé comme suit. Is entitled, notez bien. Take note. Le brisement par la croix. The brokenness by the cross. Passage incontournable. The passage. Vers une dimension glorieuse en Christ. That lead to a glorious dimension in le Christ. Le brisement par la croix. The broken by the cross. Passage incontournable. The passage. Vers une dimension glorieuse en Christ. Leading to a glorious dimension le in brisement Christ. Par la croix. The broken by cross. Le brisement par la croix. The broken by the cross. Passage incontournable. The passage. Vers une dimension glorieuse leading en Christ. Leading to a glorious dimension in Christ. Qui va me lire le thème? Can somebody to read ce que the je viens de dire, qui va me réciter said. Le someone thème to que je viens read de donner? The theme I have quelqu'un given. Pour donner le micro à quelqu'un? Le thème, c'est le brisement par la croix et passage incontournable vers une dimension glorieuse en Christ. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame le Lord. Ce thème est d'une importance très capitale. This theme has a capital importance. En cette dernière heure. In this last en hour. En ces derniers temps. This last time. En ce moment. This moment. Qui précède. That l'accomplissement de plusieurs prophéties qui fulfillment of many prophecies dans that le futur, are coming in future. Il est très important, is very important que tous ceux qui se disent croyants, that all believers, tous ceux qui se disent all who call them croyants, believers, passent par cette étape should pass by that step mentionnée dans ce thème, in this theme, le brisement par la croix, the broken by the cross. Passage incontournable. The passage that cannot be missed. Une dimension glorieuse en Christ. For a glorious dimension in Christ. Alléluia. Nous sommes à un temps. We are into a time. Où tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. When all that cry Lord, ne sont Lord, pas du Seigneur. Are not from the Lord. Tous ceux qui disent j'appartiens all à Jésus. Says, I belong to Jesus. Ne sont pas avec Jésus. Are not with Jesus. Nous sommes à une époque, à une génération. At a time. Où tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur. All who call the name of the Lord. N'appartiennent pas réellement really au Seigneur qu'ils prétendent confesser. To the Lord they are confessing. Prononcer de leur propre bouche. They are calling from their mouth. Nous sommes à une génération. We are into a generation. Où tous ceux qui doivent acquérir where all who can de l'or éprouvé par le feu by gold, se disent en eux-mêmes that pass by fire, je suis déjà riche tell themselves, nous sommes I am déjà rich. Riches
I am yet et rich, je n'ai point besoin and I needn't de richesse. Riches. Nous n'avons pas besoin we needn't d'or éprouvé par le feu. Passing by fire. Nous sommes à une génération we are into a generation où tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus all who call themselves believing to Jesus ne sont pas encore avec Jésus. Are not with Jesus yet. N'ont pas encore connu Jésus. They have not known Jesus et ne le yet. Connaîtront pas s'ils ne passent pas par cette étape. Not through that step. Concernant le brisement par la croix. Concerning the broken by the cross. Le passage incontournable. The passage that cannot be missed. Une dimension glorieuse en Christ. For a glorious dimension in Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous savons que la croix. We know that the cross. A un symbole très remarquable. Has a symbol. Dans l'univers du christianisme. In the universe of the Christianity. Tous ceux qui disent qu'ils sont en Jésus. All who tell they are in Jesus. Certainement. Certainly, ils ont entendu parler de la croix. They heard about the cross. Ou ils ont lu une fois. Or they read. Dans les lettres bibliques. In the scriptures. Les apôtres parlant de la croix. Apostles talk about the cross. Est-ce que tu connais réellement la But croix? Do you really know the cross? Est-ce que tu connais ce que do ce you qui know a été fait à la croix? What has been done Est-ce at the que cross? Tu connais la croix? Do you know the cross? Est-ce que tu as atteint cette étape de la do croix? Do you attain that step of the cross? Est-ce que tu as reçu l'accomplissement? Do you receive De l'œuvre qui a été manifestée à la croix. Of the word manifested at the cross. Gloire à Jésus. Amen. Si aujourd'hui, if today, je suis membre d'une église, I am member of a church, et j'adore Dieu, and I worship God, si je dis je crois en Jésus, if I say I believe in Jesus, et que je suis participant, and I am participant, d'une assemblée, in an assembly, des saints, of saints, je ne dois pas jamais oublier ceci. I won't never forget this. N'oublie jamais ceci. Never forget this. N'oublions jamais ceci. Let's not forget this. N'oublions jamais ce que nous étions. Let's never forget what où we étions. Where we ce were. Ce que nous étions en train de faire. What we were doing. Quand Jésus. When Jesus. Nous a sauvés. Saved us. Quand la parole est intervenue. When vers the nous. Word intervened toward N'oublie us. N'oublie jamais qui. Tu Let's étais. Never forget who you were. Parce que ce rappel because that remember opère une œuvre intérieure en toi. Operate an inside work in you. Et t'amène and bring you à réfléchir assez to think about sur des décisions que tu prends. Decision you take. Sur des actes que tu poses. About art you put. Sur tout ce que tu fais. On all you are doing. Et tout ce que ton entourage fait. All your surrounding. N'oublie jamais qui tu étais. Never forget who N'oublie you were. N'oublie jamais où tu étais. Never forget where N'oublie you were. Jamais ce que tu faisais. Never forget what you were doing. C'est par là commence. By that all starts. Le brisement par la croix. The broken by the cross. Oui, tu es ici. Yes, you're here. Tu crois en Jésus. You believe in Jesus. Mais n'oublie pas. But forget not. Là où Jésus t'a pris. Where Jesus took you. Parce que l'oubli de ces choses. Because the forgotten of those things. Est une gangrène pour les chrétiens is what can harm Christians. Ou pour ceux qui prétendent être chrétiens or those who think they are Christians. De banaliser to take in weak l'œuvre de la croix the work of the cross et de s'appuyer and to take sur step des vaines philosophies on useless philosophies qui ne sont jamais basées that are not based sur la parole de Christ on the word of Christ. Ce que tu étais avant que Christ what you were before Christ t'amène brought you Ephésiens 2 le verset 1 à 3. Verse 1 to 3. Écoute très bien. Listen N'oublie well. Jamais ceci. Never forget this. Ephésiens 2 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui a Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que tu étais. That is what you were. L'Écriture dit, vous êtes mort par, vous étiez mort par vos offenses you dead by your transgressions et par vos péchés. And sins. Tu étais mort par tes offenses, you died by par your tes péchés. Transgression by your C'était la mort spirituelle. That was spiritual parce que death tu étais séparé de because Dieu. You were separated from God. Dans lequel
vous marchiez in which you were walking at last, selon le train de ce monde. According to the ruler of this world. Ce que tu étais what you were est ce que is what tu étais avant de connaître you were Jésus. Before knowing Jesus. Ce que tu représentais what you represented avant de connaître Jésus. Before knowing Jesus, tu étais mort par les offenses died by dans le péché. In sin. Tu marchais par you were le train le train de ce monde by the ruler of this world. Avec le train de ce monde by the ruler of this world. Tu étais assujetti par le prince you were under de l'armée de l'air the ruler of the kingdom of the air. Tu étais vers le chemin de you la perdition toward the losing way. Nous tous all aussi nous étions de leur nombre of us live among them, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair walking according to our flesh. Avant de connaître Jésus before knowing Jesus, tout homme vit selon les convoitises de la chair. All men were living according to the flesh. Les volontés de la chair. Desire of the flesh. Avant, tu marchais selon ta propre vision. At last, you were walking according to your own vision. Tu marchais selon ta propre pensée. According to your tu own marchais selon ta propre volonté. According to your own will. Tu marchais selon ta propre, tes propres according désirs. To your own desires. Avant de connaître before knowing Jésus. Jesus. Et tu étais un enfant de colère. And you were c'est-à-dire, à cause des œuvres a de la child chair, of anger. Tu étais destiné you were destined à la colère à venir. To the coming anger. Voilà ce que tu étais. That is what you were. N'oublie jamais. Never forget. N'oublie jamais ceci. Never forget that. Gloire à Jésus. Amen. Tite 3, le verset 3. Titus 3, verse 3. Tite 3, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés à sévir, à toute espèce de convoitise et de volupté. Tu étais égaré. You were lost. Tu étais soumis à la convoitise. You were submitted to desires. Oui. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Tu vivais dans la méchanceté. You were living in disobedience. Dans l'envie. And envy. Digne d'être haï. Et nous, nous haïssons les uns les autres. Mm-hmm. Mais... Non, c'est bon. Romains 7, 5. Romains 7, verset 5. Romains 7, le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair... Lorsque tu étais dans la chair, as c'est-à-dire... You were in the flesh, lorsque tu n'avais pas reçu Jésus... You did not receive Jesus. Les passions des péchés provoquées par la loi... Mm-hmm. Les passions des péchés provoquées par quoi? Par la loi. Passion arose by the law. Agissait dans nos membres. Agissait dans tes membres. At work in your members. De sorte que nous étions, nous portions des fruits pour la mort. Les fruits que tu portais étaient les fruits de la mort. Was those of the dead. Parce que death. Avant de connaître Jésus, before knowing Jesus, tout homme a connu la loi. All men know the law. Avant de connaître before Jésus, knowing Jesus, tout homme a connu la loi. All men know the law. Ça peut être la loi des this familles, may be family's law, la loi de sa nation, nation's la law, loi du péché law et la mort, of the sin of the dead, la loi de, law de of, c'est-à-dire des ordonnances charnelles, des prescriptions charnelles, commands, des traditions charnelles. Traditions, ces lois te conduisaient au péché. Those laws were driving you to parce the sin. Le rôle de la loi, because the role of the law, n'est pas pour sauver l'homme, is not to save man, mais c'est pour condamner l'homme to condemn dans man le péché. In the sin. Et tu étais livré and à la you chair, were given to the flesh. Livré au you péché, were given to the sin, sans aucune intervention, without any intervention, jusqu'à l'intervention de Jésus, intervention of Jesus, qui t'a démontré son who amour. Demonstrate you his love, n'oublie jamais ça. Never forget. Comment Christ how Christ t'a tiré de là-bas. Remove you from there. Jésus how Jesus t'a affermi yes, deliver you en t'empêchant preventing you d'être à jamais sous ce joug d'esclavage. To be on this slavery forever. Selon la prophétie, according to the prophecy, nous lisons Esaïe 53. We read Isaiah 53. 3 à 10. Esaïe 53, pas de verset 3. Écoute très bien. Listen well. Lis très bien ceci. Read well this. Pour connaître ce que Jésus to a know fait. What Jesus did. Ce qui a été préfiguré, what prédit, were annoncé. Predicted, announced. Lorsque tu étais dans
les œuvres de la chair, when you were in the work of flesh, provoqué par la loi, provoked by the law, provoqué par ta volonté, by your will. Voilà ce que this is what l'Écriture dit par la prophétie. The scripture says by the prophecy. Ésaïe 53, pas de verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Qui a été méprisé selon who was despised? La révélation. According to the c'est revelation. Jésus qui a été Jesus. Méprisé selon la révélation. Who were despised according selon to la the prophétie, revelation. L'Écriture parle de, d'un agneau. According to the prophecy, the scripture selon la talk révélation, about the lamb. C'est Jésus qui a été effectivement méprisé. But by revelation is Jesus de Dieu qui who was despised. Du monde. Oui? Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur et habitué à la souffrance. Jésus a été méprisé, abandonné Jesus des hommes. Jesus was despised, abandoned by men. Homme de douleur. Man of suffering. Il a été habitué à la souffrance. Familiar with pain. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mm-hmm. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mm-hmm. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mm-hmm. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. À une brebis miette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est bon. Ah oui, lisez d'abord le 10. Voilà, lisez le 10. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon nombre de fidèles many of believers de l'assemblée dans le Seigneur comprennent mal ce passage. Interprètent mal ce passage. Et enseignent une doctrine étrangère. Teach a stranger qui n'est jamais scripturaire ni doctrinale. From the scriptures. Ni conforme à l'évangile conform to the gospel, éternel, ni conforme à la volonté conform du Saint-Esprit will of the Holy Spirit, dans cette dispensation de la grâce. This dispensation of grace. Ici, il s'agit du fondement doctrinal du brisement par la croix. Of the broken by the cross. L'Écriture dit il a été the scripture says, brisé. He was broken. Brisé. Broken. Il a souffert, il a été he brisé. Suffered, broken. Il a plu à l'Éternel de le he briser. Pleased the Lord to break him. Ce Jésus étant this l'agneau Jesus, de Dieu pour le péché Lamb du monde, God, for the sin of the world, l'Éternel l'a brisé. The Lord break him. L'a brisé he break him par la souffrance. By suffering. Par la souffrance. By suffering, il a été brisé. He was broken. Jusqu'à la mort de la croix. Till the death at the cross. Le fondement doctrinal foundation du brisement of the brokenness est la croix. Is the cross sur lequel on which Jésus homme Jesus as man a été frappé, dédaigné, humilié was whipped, humiliated par ceux qui étaient by those sous les conditions who were under conditions du judaïsme of Judaism par ceux qui by rejetaient those who rejected l'enfant de leur mère the child of their selon mother selon la révélation c'est-à-dire according to the revelation ceux qui avaient rejeté Jésus those who rejected Jesus qui en réalité who fils was son de l'homme
of a man, selon la chair en Israël, according to the flesh in Israel, ils l'ont rejeté. They rejected him. L'Éternel l'a brisé, the Lord broken afin him de le glorifier. To glorify him. L'Éternel l'a the brisé, Lord broke him, l'a fait descendre, made him fall down, afin de l'élever. In order to raise him. C'est le fondement, is the foundation, de l'œuvre, of the work, de la grâce, of the grace. Gloire à Jésus. Amen. Alors, par ce brisement de Jésus broken of à la Jesus croix, at the cross, tu as accès à you la have grâce. Access to the grace. Tu as accès, you have access au sang de Jésus. To the blood of Jesus. Et tu as été délivré, and you were delivered du péché. From the sin. C'est pourquoi si tu crois en Jésus, if you believe tu in n'es Jesus, plus pécheur. You are no longer mais sinner, tu es juste. But you are righteous. Si tu es en Christ, if you in Christ, tu n'es plus pécheur. You are no longer tu sinner, es justifié par la foi. You are justified by faith. Et tu as la paix avec Jésus-Christ. You have peace with Jesus. De Ephésiens 2, Ephesians 4 2, à 9. Verse 4 to 9. Lorsque tu étais dans tes œuvres mortes, when you were in your dead works, dans tes œuvres de la chair, in your work of voici flesh, comment Jésus qui a été brisé à la croix, cross, voilà le principe de justification qu'il a établi, afin que si tu adhères à cela par la foi, he established, and if you enter by faith, toi qui étais pécheur, you who were sinner, tu deviennes saint, you become tu deviens holy, juste, you become righteous, tu deviens agréable you à become Dieu. Agreeable to God. Oui. Ephésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous C'est a par la grâce que vous êtes sauvés. It's by grace you are saved. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est tellement clair. Voici le It's principe. So clear. This is the principle. Vous étiez mort par vos offenses. You died by your offenses. Par la mort de Jésus. By the death of Jesus. Vos offenses ont été enterrées were avec Jésus. By Jesus. Et il a fait de vous, and he makes you, c'est-à-dire des êtres célestes, heaven's beings, en transportant votre esprit transporting your dans les lieux célestes en lui, in the heaven's place pour with que him. Par la foi que vous avez manifestée en lui, by faith you manifest in him, vous bénéficiez de ses bénédictions, you benefit his blessing, et cela ne vient pas de vous, that come not from you, cela ne vient pas de votre force personnelle, that come not from mais your cela own strength, vient de son amour, but from his love, de sa grâce, from his grace. 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens 2 verset 21. 2 Corinthiens 5 à partir de verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus a été fait péché. Jesus was made sin. Oui. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que moi, afin que toi, for you en lui, and tu deviennes justice in him de Dieu. We become righteousness of God. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es en lui? Are you in him? Est-ce que tu es en Jésus? Are you in Jesus? Est-ce que tu es sauvé? Are you saved? Est-ce que tu as l'assurance, have salut, you insurance of salvation, éternel en Jésus? Eternal salvation in Jesus? Voici ce que Jésus a fait. This is what Jesus did. À la croix, at the cross, ton corps a été livré. His body was given. En sacrifice. In sacrifice. Son corps a souffert l'ignominie. Suffered, shamed. Son corps a été frappé, humilié. His body was whipped, et sa humiliated. Chair qui a été livrée, his flesh a that été was brisé. Given was broken. Brisé. Broken. Et c'est par ce brisement de it's Jésus by that broken of Jesus que son sang, that his blood, ayant un esprit éternel, has eternal spirit, est entré dans le lieu très saint, into the most holy place, au ciel des perfections invisibles éternelles, in heaven, comme places, souverain sacrificateur, like most high price, pour plaider, to c'est-à-dire please,
pour comparaître devant Dieu to appear before au trône de la grâce. To the throne of grace. Et par là, and by that, par cette œuvre, by that work, Jésus Jesus, non, ne t'a pas seulement donné son sang, not only give you mais his il blood, t'a aussi promis but le Saint-Esprit. Also he promised with the Holy Spirit. Nous comprenons par là que we understand qu'il est venu avec de l'eau, l'Esprit et le sang. Blood, spirit and les trois qui rendent témoignage en un seul. All that give testimony in il est one. Venu avec le he Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Il est venu avec he came le sang. With the blood. Et avant que le Saint-Esprit ne commence before son œuvre, the Holy Spirit start his work, d'abord, ce n'est pas le sang que tout a été fait. It's first by blood, all has been alors, done. Si Jésus a if versé Jesus son sang, throw down his si blood, le sang de Jésus a été versé, if the blood of Jesus was thrown down, et malgré qu'il a versé son sang, despite puisque ce n'est pas le sang blood, que la nouvelle alliance a été tissée, is by the blood the new covenant was malgré done. Qu'il a versé son sang, despite he threw down his blood, il ne s'est pas arrêté là. He stopped not there. Parce que l'œuvre du souverain sacrificateur, because the word of the most high lui, price, qui s'est d'abord rendu agneau à la croix, him who made himself a lamb été brisé at the cross, par l'Éternel, broken by the Lord, ne consiste pas seulement is not only à traverser les cieux to cross the jusqu'au lieu heaven, très saint, till the au trône de la grâce, avec son sang, to the throne of grace mais consiste with his blood. Aussi à ce que du trône de la grâce provienne l'Esprit qui viendra habiter ceux qui vont bénéficier de l'œuvre de son sang. But consists also from the throne of a grace, those who will believe in Jesus, his blood will stay in them. L'Écriture dit, the le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Only one who increase, afin de remplir toutes choses. The only one who decrease, il est monté all. Au lieu très saint. He get in the most holy place. Souverain sacrificateur avec le sang. Most high price. Pour que ce sang sur le propitiatoire céleste, sur le trône de la gloire. For that blood on the eternal grace, tu sois purifié des œuvres mortes, you should be purified et que by par son esprit works. Qui descend de la providence éternelle assure en toi une régénération certaine. And by his spirit that comes from his throne gives you an eternal regeneration. Jésus n'a pas versé son sang en vain. Jesus threw down Jésus his blood n'a pas donné le Saint-Esprit en vain. Jesus gave not the Holy Spirit in vain. Jésus n'a pas versé le sang, c'est-à-dire le sacrifice n'a pas versé le sang en vain. Not the blood le sang n'a pas été emporté au lieu très saint en vain. The blood was not brought in the most holy place in le vain. Le Saint-Esprit n'a pas été donné the Holy Spirit en vain. Was not given in vain. Mais pourquoi annulez-vous le sang de Jésus? But why do you cancel the blood of pourquoi Jesus? Annules-tu le sang why de do Jésus? You cancel the blood of Jesus? Annules-tu l'œuvre du sang de Jésus? Why do you cancel the work of the blood of Jesus? Pourquoi combats-tu Jésus? Why do you fight against Jesus? Jésus est allé à la croix. Jesus il went a versé son cross. Sang. He flowed down croix. His blood dit, at the cross. Est accompli. Say all has been done. Après sa résurrection, after his resurrection, il a donné le Saint-Esprit. He gave the Holy Spirit. Pour que le Saint-Esprit vienne accomplir for the Holy Spirit, en toi, en moi, en nous, le rétablissement de toutes choses en esprit. Fulfill in all the establishment of the Holy Spirit. Afin de t'amener à son image parfaite. In order to bring you at his perfect image. Gloire à Jésus. Amen. Mais malgré cela, despite that, certains ont cru en Jésus. Some believe in Jesus. Mais combattre le sang de Jésus, combattre le Saint-Esprit. Jesus, the Holy Spirit. Quand je dis combattre le sang de Jésus, when I say fighting je the ne blood fais pas of allusion Jesus, à ceux qui disent qu'on ne doit pas invoquer le sang de Jésus. Not je ne parle même pas d'eux. Those who say we cannot call the blood of je Jesus. Je parle no. à ceux qui croient que le sang de Jésus peut opérer, I'm mais qui combattent et rendent inefficace l'œuvre du sang de Jésus dans leur vie. To those who believe that the blood of Jesus can operate, but they are fighting the work of the blood of Jesus in their life. L'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre. The scripture says in 1 Peter. Que par son sang précieux, le sang précieux d'un agneau sans tache, sans défaut. By the precious blood nous a racheté de la vaine manière de vivre de nos pères. He rebuy us from our vain manner to live. Précieux de Jésus, sans tache, sans défaut, a eu de pouvoir pour racheter quelqu'un de l'esclavage. De père, de l'esclavage du diable
The blood of Jesus has power to save somebody from the slavery of the devil. Ce sang de pouvoir de racheter quelqu'un this de l'esclavage de la loi et du péché. Has power to buy somebody from the slavery of the law and Galates 2 ou 3, l'Écriture dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié devant Dieu. The scripture says not by the works of the law the man is justified before God. Mais le juste vivra par la foi. But the righteous will live by faith. Et l'Écriture nous dit the scripture says que c'est la loi qui nous a conduit au péché. That the law led us to the sin. Et Jésus est venu anéantir à la Jesus croix la loi. Come to cancel at the cross à la croix, the law. Jésus at the cross, la doctrine a anéanti according to the doctrine, la loi Jesus des ordonnances et des prescriptions cancel the law of commands parce que c'est la loi qui avait prescriptions. Donné le pouvoir au péché. Before the law gave power to the sin. Et c'est par la loi que le diable accusait l'homme. And by the law, the devil accused the man. Comme Christ à la croix a vaincu la loi, as a vaincu le péché, Christ at the cross, le diable n'a plus de pouvoir. The sin, the devil has no power. Si la loi n'était pas donnée dans le jardin, il n'y aurait pas séduction de ses pas. Because if the law was not given in the garden, la loi there won't be seduction of the serpent. Qui est intervenu avant la grâce était une liste des lois qu'on s'y récitait, qu'on bûchait, qu'on gardait en cœur. The law that intervened before the work of et the cross lisons, was the list that we cited. L'Écriture dit, vous les pratiquerez toutes les ordonnances que l'Éternel vous a données. The scripture said you will practice all the commands the Lord gives you. Et ces ordonnances étaient des listes des lois que l'homme doit éviter, c'est-à-dire et pratiquer ou c'est-à-dire l'homme est assujetti à la loi those avant la connaissance de Jésus. Was a list of law man should practice and man was under that before knowing of Jesus. Et si la loi était parfaite and pour assurer la justice de Dieu en l'homme, Christ ne pourrait pas venir et n'allait pas venir à la croix. If the law was perfect to ensure the justice of God in man, Christ would not come to die at the cross. Si la loi et ses ordonnances, si une liste de lois pouvait assurer la justice aux hommes, Christ ne pourrait pas venir à la croix. If a list of law can ensure justice to man, Christ won't not go at the cross. L'Écriture dit la loi était un pédagogue pour amener l'homme à la connaissance de Jésus. The scripture says the law was a teacher to bring the man to the knowledge of Jésus. En Jésus, pourquoi ramenons-nous ce pédagogue? In Jesus, how do we bring that teacher? Pourquoi nous devons, nous asservissons au pédagogue que de recevoir celui qui est la réalité et l'accomplissement de ce pédagogue qui opère en nous par le Saint-Esprit? How do we put ourselves under slavery of this teacher? Yes. Pourquoi ramenons-nous le pédagogue? How do we bring back this teacher? Or, ce pédagogue était intervenu pour ceux qui n'avaient pas la justification par la foi, this puisque la justification n'existait pas par le moyen de la foi. This teacher was given for those who has no justification, because justification is done by the faith. L'Écriture dit dans le livre de Romains 10, le verset 4. The scripture says in Romans 10, verse 4. Romains 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Christ is the end of the law. Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui for croient. For justification of all believers. Ce qui veut dire que ceux qui croient ont reçu les promesses les plus meilleures. Receive best. D'être justifiés. Promises to be d'être justified. D'être agréable à Dieu. To please God. Celui qui croit est justifié. Those who believe is justified. Et les bénéfices de la justification opèrent and en lui. Benefits of justification Christ operate est la into fin him. De toutes sortes de lois humaines. Christ is the end of all humans' law. Christ est la fin de toutes sortes de traditions des hommes. Christ is the end of all traditions Christ est la of men. Fin des coutumes des hommes. Christ is the end of customs Christ of est la men. Fin de la loi des familles. Christ is the end of the law of Christ families. Christ est la fin de la loi des communautés. Christ is the end of communities laws. Christ est la fin laws. De la loi de toute communauté. Christ is the end of the law et of Christ all communities. Est lui-même and Christ la himself grâce is the grace. Par qui la justification est donnée through whom justification de la foi. Is given by faith. Si je demande à quelqu'un ici, est-ce que tu as la foi? If I ask someone, do il you dira, have oui, faith? J'ai la foi, j'ai he'll la foi. Say, yes, I have faith. Mais en réalité, really, tu n'as pas encore la vraie foi. You don't have a true faith. Gloire à Jésus. Amen. Malgré ce salut
accordé par Jésus à la croix. Despite that salvation given by malgré Jesus, malgré la chair de Jésus qui a été brisée à la croix, despite the qui a body souffert, of Christ that suffered, malgré le sang de Jésus, despite the blood of Jesus, oh, nous savons que l'âme est dans le sang. We know that the soul is in the blood, c'est la vie. And the soul is the life. Jésus passant devant la croix. Sans le sang versé, en réalité, était la vie pour les hommes. Jesus, by the blood he flowed down, was a life for men. Malgré tout cela, despite all that, celui qui a cru en Jésus, the one who believed in Jesus, a dit, c'est bon, je n'ai pas besoin du sang de Jésus. Say yes, je n'ai pas besoin de l'œuvre de Dieu dans ma vie. God work in my life. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. I needn't the Holy Spirit. Je vais marcher but I will par work, ma propre foi. Walk by my own L'Écriture dit dans Isaïe 53. The scripture says nous marchions autrefois par nos propres voies. We were walking by our il own a plu ways, à l'Éternel de briser Jésus but it pleases the Lord afin to que nous puissions Jesus, marcher selon la voie qui mène au salut, for us la voie du chemin, la vérité et la vie. By the way that leads to the salvation, the way of the life and the... Alors, depuis que Christ a opéré à la croix. Since Jesus operated at the que cross, le Saint-Esprit est descendu. And the Holy Spirit malgré down, cela, despite that, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, those who say they believe in Jesus, dans nos assemblées, in our assemblies, la plupart ont déjà renié la croix. Most of them rejected sans the cross, savoir. Without knowing. Comment ils ont renié la croix? How do they reject the cross? Ils ont renié la croix. They reject the cross par une vaine gloire. By a useless glory. C'est-à-dire une gloire mortelle, a glory, charnelle, a mortal basée glory, sur les pensées de la chair. On force of the flesh. Et non une gloire incorruptible. Not an uncorrupt glory. Une gloire charnelle, a flesh glory, qui les conduit à l'orgueil. That drives us to proud. Jésus a opéré à la Jesus croix. Operated il at dit, the cross. Croyez en moi. He says, believe in me. Recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy marchez Spirit. Selon l'Esprit. Walk by et Spirit. Et vous serez à mon image. You will be at vous my serez image. Des vrais chrétiens. You will be true Christians. Mais ils ont refusé. But they nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. We need not the Holy Spirit. Nous allons choisir un chemin. We will choose a way. Parce que comme la plupart ne sont pas encore because brisés. As most are not broken yet. Parce que à cause des œuvres de la because chair, of the work of flesh, ce brisement devient this broken becomes difficile. Difficult. Et à cause de l'orgueil de and la chair, because of the pride of the flesh, ils préfèrent prendre, they selon, prefer, eux, selon eux, un chemin facile. According to them, take an easiest way. Mais qui en réalité leur est difficile. But that is difficult for them because parce qu'ils rejettent la grâce de Dieu. They reject the grace of God. Ils rejettent l'œuvre de la croix. And reject the work of the cross. Oh, la première œuvre qu'a accompli l'œuvre de la croix fulfill the work of the cross est la nouvelle naissance. Is a newborn. Est la nouvelle naissance. The newborn. Alors, par ma compréhension by my understanding de l'œuvre de la croix of the work of the cross, ils ont rejeté l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. They rejected the work of the Holy Spirit in their life. Et ont entrepris and they take un chemin basé awake sur les œuvres de la chair, on the work of the flesh, sur la loi périssable, on the perish, la loi des ordonnances charnelles, commence en se the flesh, détournant de Christ, going out en the renonçant Christ, à Jésus. Rejected Christ. Ce n'est pas qu'ils l'avouent publiquement, it's not they tell them publicly, mais ils l'ont déjà abandonné. They forsake him. Et Jésus s'est mis à l'écart. And Jesus was out. Le Saint-Esprit les observe. The Holy Spirit observed them. Ils n'ont point donné de place au they Saint-Esprit not place depuis qu'ils ont cru en Jésus. Since they believe in Jesus. Ils n'ont pas ouvert la porte au Saint-Esprit. They opened not the gate to the Holy Spirit. En réalité, ce Jésus qui dit, je me voici à la porte. Jesus je tape. Says, I am ouvre-moi on the ton gate, cœur, j'entrerai. Opening, en réalité, open ce Jésus, gate, I will enter, c'est le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. Après nous avoir purifié des œuvres mortes par le sang de Jésus, son sang. After purifying us from the dead world, a entré en nous, habiter dans nos cœurs spirituels. Want to enter in us. Être le maître de chaque croyant, to be le dirigeant de chaque croyant. Leader of each believers. Mais chaque croyant est devenu maître de lui-même. Each believer become his own master. L'Écriture dit dans Galates. The Scripture says in Galatians. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis.
It's for freedom you were Mais set. Ne devenez plus esclave de la loi. Not become slave of the law esclave des hommes. Or slave of Mais men. Soyez esclave de Jésus. But be slave of Jesus. Ceux qui croient en Jésus mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Those who believe in Jesus ne sont pas encore esclaves de Dieu. Are not ne sont pas encore disciples de Jésus. Of God, are not disciples ne sont of pas God, encore nés de nouveau. Are not yet newborn. Sans Christ, without Christ, sans l'Esprit, without the Spirit, sans le sang de Jésus, without the blood of Jesus, et son pouvoir, and his power, sans la puissance de Jésus, without the power of Jesus, sans la puissance de la grâce, without the power of sans the la grace, puissance de Dieu, without the power of God, aucune œuvre humaine ne peut aboutir. No man work can attain his goal. Toutes les œuvres de l'homme sont zéro. The work of men are sans le Saint-Esprit. Useless without the Holy Spirit. Celui qui n'est pas né de nouveau, the one who is not il force born les choses. Again, il force. He's il force. Forcing mais ça n'aboutit jamais. But that attain never. Il force, il force, il force. He's forcing. Mais tout est échec, but échec, all échec. Are failures. Failures, why? Parce qu'il n'a pas Because laissé la confiance au Saint-Esprit. He did not put confidence mais to the Holy Spirit. Il a mis la confiance en sa chair. But he has confidence on his own oh, flesh. Que dit l'Écriture dans Philippiens 3, le verset 18? Philippians 3, verse 18. Nous sommes toujours dans le brisement par la We croix. We are in the broken by the cross. Passage indispensable, incontournable. The passage that we cannot let down. Oui. Philippiens 3, le verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix il de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix Many de Christ. Many are walking as enemy of the Dans cross l'église, of Christ. Plusieurs marchent en ennemi de la croix de Christ. In the church, many are walking tu as dire en ton cœur, non, enemy of the moi, cross. Moi, je ne marche pas en ennemi de you la croix de Christ. I'm not walking as enemy Mais of the cross en réalité, of Christ. Tu le fais sans savoir. But you are doing without Parce knowing. Que tu ne donnes pas l'occasion au sang de Jésus d'opérer dans ta vie. You don't give occasion to the blood of Jesus to work Lorsque in your le life. Saint-Esprit vient à ta porte, when the Holy Spirit comes as your guest, il voit en toi ton ego, you, ton moi, your proud, ta justice Chanel, your tes désirs, own justice, tes visions, your desire, ta volonté, your will, your vision, tout ce que tu penses, all you think, et se met en arrière. And il dit, stay back. Lorsqu'il connaîtra la vérité, when he will know the truth, lorsqu'il cherchera à me connaître, when he will seek to je know me révélerai à lui. I will reveal myself c'est pourquoi to plusieurs him. Sont dans la stagnation spirituelle. This is why many are in the spiritual stagnation. Beaucoup sont là à briser des liens, briser many des liens, are there briser broken, des liens. Broken link, le problème broken n'est pas link. Des liens. The problem is not Mais links. Le problème, c'est que the problem le is brisement n'a pas encore été fait. The broken was not done. Le brisement n'a pas encore the été broken fait. Was not done yet. Et ce brisement se passe That broken par is done la croix. By the cross. Et le sang de Jésus and the blood of Jesus, qui a le pouvoir de briser une fois pour toutes les liens. That has power to broken once Beaucoup for all. N'ont pas encore atteint ce brisement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Dis à ton frère. Ask est-ce your brother, que tu es né de nouveau? Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Es-tu né de nouveau? Are you born again? As-tu reçu Jésus? Do you receive Jesus? Connais-tu Jésus? Do you know Jesus? Qui est Jésus? Who is Jesus? Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Comment le Saint-Esprit opère? How the Holy Spirit operates? Comment le sang de Jésus opère? How the blood of Jesus operates? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? La nouvelle naissance devient pour un brisement, c'est-à-dire pour une étape incontournable de gloire ou pour une montée dans la gloire. The new born becomes something that makes us get up in glory. La nouvelle naissance devient indispensable pour chacun. The newborn becomes available to each of us. Et je tiens à dire que la nouvelle naissance ne s'acquiert pas par des processus. The newborn is not given by Ce n'est some pas parce process. Que tu as fait un processus que tu es né de nouveau. It's not because non, you make loin a de là. Process that you are born Ce again. N'est pas parce que tu as fait des œuvres que tu es né de nouveau. It's not because you make work that you are la born again. La nouvelle naissance passe par le brisement, par le Saint-Esprit. By the brokenness, by the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui va habiter en toi, ou bien qui doit te donner la nature de Jésus, tu dois accepter qu'il vienne dans ta vie.
You should accept the Holy Spirit coming into your life. Et ce Saint-Esprit a été destiné Holy Spirit d'abord pour les injustes. Is destined for pour les pécheurs unrighteous, afin de les briser in order to break et les them donner l'image and de Jésus-Christ. Give them the image of Jesus. Est-ce que tu es brisé? Are you broken? Il ne consiste pas à dire non. It's not to non, say, je me suis déjà dépouillé. Yes, I am je striving. Me suis déjà, je me sanctifie déjà. I am sanctified. Non, ce n'est pas la ce n'est même pas lié au prisma. It's not related to broken. Et quand je parle de prisma, when I'm talking je ne about fais pas allusion aux autres chrétiens over Christians que vous connaissez. That you know. Parce que chaque chrétien because doit atteindre le prisma, the broken, quel que soit le lieu où il adore le whatever Seigneur. The place he worship mais the quand Lord, je parle de prisma, when I'm talking je about parle brokenness, à ceux qui me voient, me suivent en ce moment. Is to those who are following est-ce que me tu now es déjà brisé? Are you broken yet? Est-ce que tu as déjà reçu l'œuvre du brisement spirituel par la croix. Brokenness by the cross. Si Jésus a été brisé, if Jesus was si broken, Jésus a été brisé if par Jesus la souffrance was broken à la croix, by suffering at the cross, toi tu ne chapperas pas au brisement. You won't not. Les chrétiens ont cherché un chemin pour Christians échapper au brisement. Find way to run away et the ce brokenness. Chemin s'appelle le chemin de la this loi. This way is the way des ordonnances charnelles, of commons, des prescriptions charnelles. Of prescriptions. La nouvelle naissance n'est pas une naissance charnelle. Is not a flesh une naissance d'apparence. Is not a flesh une of naissance physique. Not a mais la nouvelle naissance one est spirituelle. But is spiritual. Et la nouvelle naissance touche l'esprit étant l'homme intérieur. It touches the spirit as si inside tu n'es man pas né d'esprit et if d'eau, you are not born by spirit tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. You won't inherit the kingdom si of quelqu'un heaven ne naît de nouveau, il ne peut entrer au ciel. Somebody is quel not que soit newborn, le dépouillement que tu fais, he cannot enter quel in que heaven soit la sanctification que tu fais, whatever your sanctification, si tu ne nais de nouveau, if you are not yet c'est-à-dire born, si tu ne passes pas par le brisement, if you don't pass par by la croix, brokenness, by afin cross, que ton esprit soit régénéré, for your spirit be regenerated, par le renouvellement de l'intelligence, by the renew of the knowledge, tu ne pourras pas aller au ciel. You cannot go to heaven. La nouvelle naissance est la première même des œuvres du Saint-Esprit. The new born is the first of the work of the Holy Spirit. Parce qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire être sous la main convenable de Dieu. Because they want not. Not Christians. Mais des orgueilleux. C'est-à-dire they become proud men. Il s'appuie sur la chair. C'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. As I done this, ce n'est pas parce que tu as fait ci que tu as fait ça. Do this or that. C'est parce que it's tu as bénéficié de la grâce de Dieu. You benefit the grace et of God. Le Saint-Esprit t'a permis and the Holy Spirit de faire ci et to de ne pas faire ça. And to not do that. Il y a un moment où les chrétiens ont vu. There was a moment ils Christians, ont la possibilité, c'est-à-dire les croyants, voilà, believers, ont la possibilité de passer par le raccourci, un chemin à part entière, non tracé par Jésus, pour aller au ciel. They see that they can take the wrong way to go to the heaven. C'est pourquoi tout devient difficile pour this eux. This is why all becomes difficult avec des divisions, des guerres, division, des colères, wars, des angers, manifestations des œuvres de la chair. Manifestation of the parce work que of le flesh chemin que tu as pris because n'est pas the way le chemin de Jésus. Is not for Jesus. Pourquoi? À cause des œuvres de la chair. Why? Because of the work et of tu the flesh manques du brisement par la croix. Lack of brokenness by cross. Si tu es brisé, if you are tu broken, monteras dans la gloire en Jésus-Christ. You will get in glory with si Jesus. Tu subis le brisement, if you are passing through tu brokenness, seras dans la gloire. You will be in glory. Mais est-ce que plusieurs sont prêts pour le brisement? Are many ready for brokenness? Es-tu prêt pour le brisement? Are you ready for brokenness? Es-tu prêt pour le brisement? Are you ready for brokenness? Pour être brisé, to be il broken, faut accepter ou bien pour être recevoir cette régénération spirituelle. To receive that spiritual regeneration, il faut accepter le brisement. You should accept brokenness. Et pour le brisement, certainement, toi-même par ta propre force, certainly by your own par power, ta propre compréhension de Christ own understanding qui est charnel, of Christ that is by flesh, ou pas des rudiments terrestres que tu mets en exergue dans ta communion avec Jésus, you put in action, toi-même tu t'es mis à une position en haut comme yourself, ça. You get at tu t'es élevé an en haut position yourself, et les autres sont en bas. And mais cette élévation n'est pas l'élévation du Seigneur. That elevation is not parce from the Lord. Encore le temps du Seigneur. Because it's not the time alors, of the Lord. Qu'est-ce qui se passera?
What will happen? Le Christ te soumet à un brisement. Christ submit you to a brokenness. Il te soumet à un brisement he forcé. Submit you to parce qu'il t'aime. A brokenness because à cause he de loves son you. Amour pour toi à la croix. Because of his love to you at the parce cross. Parce qu'il t'aime. Because et he loves que you. Tu crois en lui. He sees that you believe in him. Mais parce que tu as du zèle sans intelligence. Because you have zeal without knowledge. Tu n'as pas compris l'œuvre du sang de Jésus et l'œuvre de la croix. Cross. Tu t'es mis à une position you élevée. Put yourself at an high place. Mais pas par Jésus-Christ. But not by Jesus. Mais pas toi-même. But by yourself. Pas les œuvres de la chair. By work of pas the flesh. La fausse, la mauvaise interprétation de la sainte doctrine. Bad tu t'es mis à un point donné. Interpretation alors of the pour ce brisement. For that il va te prendre du haut, tu t'es amené selon toi-même de ta chair high place et t'écraser comme ça. Bah! And broke you suddenly. Bah! Pour que tu montes au ciel. For you to enter heaven. Tu t'es mis à une position que Christ you ne t'a pas mis. Yourself at the level Christ put dit, not c'est you. Un enfant, il comprendra. You say he is a child, il will understand, he will understand. Mais malgré ça, despite that, tu n'as pas encore compris. You don't understand yet. Il va t'écraser comme ça. He will break you. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Because God celui qui est né de nouveau ne marche plus selon la pensée the new humaine. Born one celui is qui est né de nouveau ne marche flesh plus first. Selon sa volonté. He's not walking according to his own nous flesh. Comprendre cela. His own will. L'Écriture dit dans Jean 15, verset 5, je cite. The scripture says in John je suis le cèpe. 15, Jean 15, 5. Verse 5. Je suis le cèpe. I am et the vous, les sarments. Wine. You are the branches. Celui qui demeure en moi. The one who dwells et en qui je demeure. In whom I dwell. Portera de bons fruits. Will bear good fruit. Car sans moi. Because without me. Continuez. Car sans moi. Ah. Maintenant voilà que tu fais. Toi tu le fais sans Jésus. You are doing without Jesus. Toi tu le fais sans Jésus. You are doing without Jesus. C'est pourquoi rien n'aboutit. This is why nothing ça, tu te sens toujours dans la chair. Despite you find your flesh parce que tu in le flesh. Fais sans Jésus. Because you are doing without pourquoi Jesus. Tu n'as pas encore donné place au Saint-Esprit. You don't give place to the Holy Spirit to act. Le Saint-Esprit a été donné pour que Jésus soit glorifié sur terre. The Holy Spirit has been given est-ce que for Jesus toi, be glorified tu as déjà on the earth. Laissé place au Saint-Esprit. Do you let place to the de Holy Spirit to work in you? Les chrétiens disent non, Jésus reste comme Christians ça. Say, Saint-Esprit reste comme ça. Say there, moi-même, mes œuvres, myself, my moi-même, works, je vais le faire. I will do them. Et ils pensent que c'est en obéissant aux lois, they think that by obeying to law, en marchant sur la loi, by walking according to the law, they can be malheureusement, saved. À la fin des temps, unfortunately, ou à la mort, at the end of times, beaucoup de chrétiens qui pensent death, qu'ils sont déjà prêts, many Christians who think they are ready, se verront rejetés, will be rejected, parce qu'ils n'ont pas laissez la justice de Dieu s'établir en eux. Righteousness of God established in them. Le Seigneur Jésus ne vient pas. The Lord Jesus comes not. Lors du son de la trompette. At the ringing pour enlever of the une église charnelle. To remove pour enlever a flesh une église church, morte. A dead church. Il n'est pas allé à la croix. He went to not to the cross. Pour enlever une église morte. To remove a dead church. De même, il n'est pas allé à la croix. And also, he went not pour sauver un petit nombre de personnes. To save a small number of persons. Il est allé à la croix. But he went pour at the cross préparer une église glorieuse. To prepare a glorious church. Et pour être glorieux, to be glorious, il faut passer par le brisement. You take by il faut passer par l'abaissement. You take by il faut passer decreasing. Par la descente dans les profondeurs. By descending celui in deepness. Qui veut aller en hauteur doit descendre the en profondeur. One who want to get in higher, si tu ne descends pas en profondeur, in deepness. Si tu ne creuses pas en profondeur, if you don't comment deep pourras-tu monter en hauteur? Deepness, how c'est can pas you le bas, get qu'on in monte. Higher. Et de la même manière que la graine est sémée en bas, and the seed is elle porte des sarments en haut, on des tiges, earth, des cèpes en haut, fruit, branches, afin de former, in de produire des fruits. To bear alors, fruits. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, if you are not tied pour que to Jésus Jesus, te t'abaisse for et t'accorde sa nouvelle naissance, decrease you to give you his tout newborn, ce que tu fais est zéro. All you are done is je le are dis, useless. Tout ce que tu fais est zéro. All you are doing are useless. Ce qui est juste et favorable, what is c'est que le Saint-Esprit, is that the Holy par la puissance de Jésus, by Jesus te dirige. Power, direct le but you. De Jésus pour l'œuvre de la croix Jesus est que chaque chrétien soit conduit par le Saint-Esprit. Is that each Christian be l'Écriture driven by the Holy Spirit? Personne ne dira plus à son frère the scripture says, no one le Seigneur tell
His brother knows the law. Personne ne dira plus à son frère. Laws. Voilà ce qu'il est no écrit. No one will say, this is what is written. Fais. Do not or do it. Mais si tu as le Saint-Esprit, but if you have the Holy Spirit, tu n'es pas conduit par. You are not driving aucune loi. By any law. Parce que si nous sommes nés de nouveau, because if we are nous ne sommes new pas born, dans la chair, we are not in flesh. Nous ne sommes pas sous la loi. We are not under the mais law. Celui qui est né de nouveau, but the newborn est sous la main convenable du Saint-Esprit. Under the good hand of the Holy Spirit. Dans la foi en Jésus, in faith in Jesus, dans la persévérance, in persévérance du Saint-Esprit of the Holy Spirit, qui l'élèvera dans la gloire, who will raise him au in glory convenable. At the good time. Malheureusement, nous avons des chrétiens. Unfortunately, we have Christians mais qui n'ont pas encore subi l'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Experience of the work of Holy Spirit. Effectivement, ils sont dépouillés. Yes, they are ils ont renoncé à beaucoup de choses. They reject many mais devant things, Dieu, ils ne sont pas encore God, agréables. They are not parce qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Because they are not born yet. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Lisons Jean 3. À partir du verset 1er. John 3 from the first verse. Jean 3. Mais il quel est le but recherché pour le prisme? What is the research d'abord, goal? La nouvelle naissance. The newborn. Et après, after that, la dimension glorieuse en Christ. The glorious dimension in Christ. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dire, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Ici, c'est l'histoire de Nicodème, here is the history of Nicodemus, qui était parmi les partisans de la loi. Who was il était même un enseignant, un maître de la loi. Pharisee, the teacher mais of the pourquoi law. C'est la nuit, il était allé vers Jésus. Why at night he went parce to Jesus? Qu'il craignait ses confrères de la loi. His brothers of law. Il voulait prendre un chemin différent because de he want to take a oui, different continue. Way from car Dios. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, je te le dis. Very truly, I tell you. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la seule et unique condition pour aller dans le royaume de Dieu. To go in heaven. Il n'y a pas autre chemin, autre condition. There's no other way, another condition. Toutes les conditions que tu mets en pratique. You are practicing ne sont pas la meilleure ou bien la parfaite condition pour aller. Perfect conditions to heaven. Pour entrer au ciel, to enter il faut heaven, être né d'esprit. You should be born il faut by spirit. Devenir un homme spirituel. You should become a spiritual man. Il faut être régénéré. You should be regenerated. Quel que soit tout ce que tu pratiques, whatever comme je l'ai dit, you are practicing, sans la nouvelle naissance, without newborn, tout est zéro. All are useless. Si tu es né de nouveau, if you are born again, toi-même, tu ne peux pas rendre ce témoignage. Yourself, you mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te rend le témoignage de ta nouvelle naissance. But the Holy Spirit in you give you the testimony of mais your si new tu es birth. Sous la peur, but incapable, under fear, dans les troubles, unable in troubles, dans la condamnation, in condemnation, dans les murmures, in murmurs, dans la précipitation, in precipitation, dans la chair, in the flesh, tu n'es pas encore né de nouveau. You are not born again. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair n'héritera pas le royaume des cieux. Flesh won't inherit the kingdom of heaven. Ce qui est né d'esprit est esprit. La nouvelle naissance consiste the newborn consists à ce que l'esprit qui est la lampe du Seigneur lamp soit allumé. Be lighted. Est-ce que ta lampe est allumée? Is your lamp lighted? La nouvelle naissance consiste the newborn à ce que l'esprit reprenne sa position supérieure sur la chair. High place on the flesh. La nouvelle naissance consiste the newborn consists that ce qui donne la puissance what give au péché to the sin et à la chair and to the flesh et au diable soit englouti. And to the devil be destroyed. Qu'est-ce qui donne la puissance au péché? What give power c'est to the la loi. Sin is the law. Continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit,
Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. You should born again. Vous servez Jésus. You are serving Jesus. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Disons la vérité. Est-ce Let's que tu as connu truth. Réellement Jésus? Do you really know Jesus? Nicodemus un docteur de la loi. Was a teacher of the law. Il connaissait la loi plus que he tous. Knew the law parce qu'il enseignait la loi dans le temple. Because he was teaching the law in il the était temple. Parmi les pharisiens. He was between the il était un scribe même de la loi. He was a teacher of the law. Mais quand Nicodème va voir Jésus, when Nicodemus went Nicodème to see Jesus, pratiquant de la loi à 100%, the doer un Nicodème of the law, qui maîtrisait la loi et toutes les lignes, les lettres the law, de la loi, the lines of the law, va voir Jésus. He went to see Jesus. Mais comment toi tu fais ces miracles? How do you do those miracles? Comment toi tu fais les grands miracles? How you do great miracles? Parce que la loi ne produit pas les miracles. Because law produces si not miracles. Si vous êtes sous la loi, if you are le under Saint-Esprit the law, ne peut pas se manifester. The Holy Spirit cannot manifest. Je parle du rayon du Saint-Esprit I'm talking dans l'église. About the rains si of the Holy Spirit. Si vous êtes sous la loi et church, non dans la grâce. If you are in the si law, vous êtes not sous in the la grace, servitude du péché, you are under slavery of sous sin, la prison de la loi, under the prison le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Holy Spirit cannot manifest. Or Jésus, lui, avait amené la foi. Jesus, he brought faith. Donc Jésus, par la prédication so Jesus, de la preaching foi, of faith, il guérissait les malades, he healed, il délivrait les opprimés, deliver, il chassait les démons et accomplissait slaves, au nom de la foi demons, les miracles. And makes wonders. Alors un docteur de la loi était étonné so a teacher of law que was surprised. Fait des miracles sans la loi. That man can do miracles. Nous nous souvenons de l'Écriture. Nous nous rappelons de l'Écriture qui dit ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié devant Dieu. Say that not by the work of law, si ce n'est pas les œuvres de la loi, la femme qui avait donné une offrande le jour du sabbat n'allait jamais être guérie. It's by the work of the law, the woman pour être guérie par Jésus, the Sabbath day, il faut croire en Jésus. Be healed. Il to be faut healed, you should believe in Jesus. C'est-à-dire de ta propre force. You should strap yourself des from your de own power. Afin que Jésus work of your flesh opère en toi. For Jesus opérer en toi. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Galates 3. Reason of the scripture said in Galatians 3. 4, si je ne me trompe. L'apôtre a dit, 4. Galates, avez-vous commencé par l'esprit pour finir par la chair? Galatians, have you started est-ce by pas la prédication de la loi que les miracles sont accomplis? Flesh, ou par la foi. Is by the preaching of the law. Est-ce par les œuvres de la loi que Christ a été fait crucifié devant vous? Is by the work of the est-ce law. Est-ce par les œuvres de la loi? Christ was crucified que Jésus before you. A guéri. Is by the work of the law. Mais c'est pas la prédication de la foi. But is by the preaching of the cross. Et quand nous parlons de prédication de la foi, when we're talking about the preaching of the cross, it should not be la prédication de la foi présente Jésus seul. The preaching of Christ, the cross Christ a crucifié. Christ only. Elle ne présente Christ aucun crucified. Nom. Elle ne présente no aucune man, manière pour les hommes d'être justifiés. No way of manner to be justified. Car toute la justice humaine est comme un vêtement teint de sang. Because all justice mais of le sang de Jésus est cette justice a clove qui nous rend à l'image de Christ soumis à la justice de Dieu par la foi. Alors Jésus accomplissait les miracles. Jesus was done miracles. Chose impossible à la loi. What was impossible parce to the law? Parce que la chair qui est basée sur because les œuvres de la loi flesh était incapable on things of the law de produire was unable les to œuvres de foi. Work of faith. C'est pourquoi un homme de la loi, qui connaît la loi, law, qui pratique la loi, who knows the law, practices va vers Jésus, went to see pour Jesus, dire, je vois tes miracles, saying, mais I comment see tu le fais? Why are you doing tu it? Es un docteur venu de Dieu. How are you doing it? La preuve de connaître un docteur venu de Dieu, to know a teacher from God, les miracles qu'il accomplit, is by par miracles la prédication qu'il accompagne. By the c'est les miracles qui accompagnent sa prédication. Miracle that follow his preaching. Si ta prédication ou bien si notre if enseignement, our preaching or our teaching, si notre message n'est pas, a message, n'impacte pas, n'enseigne, ne guérit pas, ne libère pas, not, deliver not, c'est qu'elle n'est pas accompagnée de la foi et le Saint-Esprit, and by the Holy mais Spirit, plutôt les œuvres de la loi. But by the work of the alors, flesh. Comment j'ai un Nicodème de la loi, how a Nicodemus of the law, vers Jésus, going to Jesus, parlant des miracles, talking about et Jésus miracles, va lui donner, c'est-à-dire va lui parler de la nouvelle naissance. And Jesus will talking about the newborn. Normalement, Jésus devait encore le mettre sous la loi. Jesus should normally put him under the law. Pour être un docteur de la to loi. Be a teacher of the law. Mais Jésus ne l'a pas fait. But Jesus mais qu'est-ce did que not. Jésus lui dit? What he told, si tu n'es pas
pas né de nouveau, if you are not si yet un homme born, ne naît d'eau et d'esprit, if a man is not born by il ne peut voir le royaume de Dieu. By spirit, he cannot c'est see quoi naître d'eau et d'esprit? Kingdom of heaven. Continue la lecture. Jean 3, pas de verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut. The wind flows where, et tu en entends le bruit. Where it wants. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. For any man who is born again. Nicodème le dit. Un homme né de nouveau. A man who is un born homme again, qui n'est plus maître de soi. Who is not his own un homme master, qui n'a plus aucun verdict à donner sur soi. Who has no power on himself. C'est un homme qui ne se contrôle plus. A man who controls not c'est un homme himself, qui n'a pas a man who de has puissance sur le no Saint-Esprit. Power on the Holy il Spirit. Est soumis au Saint-Esprit. He's submitted to et the dit, Holy Spirit. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Make me what you want. Je ne veux plus être moi-même. I want not to be myself. Je ne peux plus continuer moi-même. I cannot continue myself. Saint-Esprit, Holy Spirit, accompagne-moi. Follow me. Un homme né de nouveau. A new born un homme malmené, c'est-à-dire. Is a man. Et plutôt un homme plutôt mené par le Saint-Esprit. That is driving voilà. By the Holy Spirit. Un homme que le Saint-Esprit manipule à sa manière. The Holy Spirit manipulates. Un homme né de nouveau est un esprit. A newborn man or, ce qui est esprit n'a what rien de charnel en lui. Has no flesh in et c'est les hommes esprits qui seront au ciel. Spiritual les hommes nés d'esprit who will go to heaven. Par le moyen de l'œuvre de la croix. Il est conduit par le Saint-Esprit. They are directed by the est-ce Holy que Spirit? Tu es réellement conduit par le Saint-Esprit? Are you driving really by est-ce the que Holy là où Spirit? Le Saint-Esprit veut t'amener, tu obéis? Where t'obéis? The Holy Spirit want to bring you, do you si obey? Si tu es né de Dieu, if you are tu born n'es pas by soumis God, à la loi des hommes. To the law tu n'es pas soumis à la loi de tes pères. Tu n'es pas soumis aux traditions de tes parents. You are not ni submitted à ta propre loi, ni à tes propres traditions, ni à nor tes propres manières law, de voir les choses, ni à ta propre vision, ni à tes propres rudiments. Si tu es né de nouveau, if tu es né d'esprit again, et tu appartiens à Jésus. And you belong to Jesus. Tu appartiens à Jésus. You belong to Jesus. Est-ce que tu appartiens à Jésus? You belong to Jesus. C'est la réponse à cette question qui tire à toi si tu es réellement né de nouveau. Tell in you that si tu es brisé réellement again, par Jésus, if you are really broken alors by celui Jesus, qui est brisé the one who is broken est conduit par l'Esprit. Is driving by the Spirit. Il est comme un vent. He's like a wind. C'est-à-dire le vent ne sait ni où the va. Wind know not là où il quitte, where le vent it comes est conduit from. Et the wind is fait des allers-retours. Going and ainsi coming va back. Pour celui qui est né de nouveau. It's like that for the one who is born again. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors plusieurs deviennent des ennemis de la croix. So many becomes enemy oui, of the cross. Oui, lisez la dernière portion d'écriture en attendant. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Oui. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Voilà, tu es le docteur de la loi, mais you tu ne connais pas ces choses. Teacher. Et tu ne sais pas ces choses. Tu es membre d'église, mais tu ne sais pas ces choses. You member of church, but you don't know those things. Tu ne connais pas la nouvelle naissance. You don't know the newborn. Et je l'ai dit newborn. Que ce n'est pas un processus qui te donne la nouvelle naissance. That gives mais you c'est a la grâce newborn, de Dieu, c'est la, le brisement par le Saint-Esprit. Broken by the Holy c'est-à-dire la chair doit être brisée the flesh will be pour que broken. L'esprit soit régénéré. For the spirit be regenerated. Oui, continue. Mm-hmm. En vérité, je te le dis, mm-hmm. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Uh-huh. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, ces croyants ont, those believers, ont pris une autre voie basée sur la force they de l'homme. Took a way based on the power of une man. Voie de la chair. A way of flesh. Oubliant ce que Jésus a fait pour eux forgotten à what la Jesus croix. Did to them at the cross. Et en se mettant sur un chemin d'égarement. And putting themselves onto a losing ils ne connaissent pas way. Ainsi la justice de Dieu par they la foi. Don't know the justice of God by faith. Ne connaissent ni même pas aussi they le baptême de régénération the baptism par of le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Mais se sont imposés but une justice charnelle put on themselves a flesh justice qui les empêchera d'hériter le royaume des cieux. The kingdom alors, of heaven. Cette justice charnelle est this basée sur quoi? Flesh justice is based le moi, on what? Le moi, on the le je. Me of le je. I. Le moi. Me. Cela est devenu that des forces personnelles de la chair
personal power alors, of flesh. En pensant que so c'est lui qui fait quelque chose, c'est sa chair qui obéit, his flesh that is orgueilleux, become proud, devient incontournable, ne peut plus se soumettre, cannot be submitted, parce qu'il pense que c'est sa chair qui est capable de quelque chose. Able to do something. Alors vient les moi, so vient les je, the I, me, vient moi, on ne fait pas comme ça, je ne suis pas comme ça, I am not that, vient les mauvaises habitude d'un vieil homme. Behaves of the old man. Alors, pour une vraie naissance, for a new born, et pour une montée dans la gloire, to increase le moi glory, doit être brisé. The eye should be broken. Le je doit être brisé. The eye should be broken. Tous les chrétiens ont besoin de ce brisement. All Christians need that brokenness. Quand je parle de ce brisement, when I'm talking about that brokenness, je parle même de la chair, I'm talking about the flesh, de l'orgueil, the proud, de la vaine gloire, the useless des glory, pensées des hommes thought of men, qui bloquent l'œuvre de la foi. That block the way of the faith. Alors, comme ils ont pris un autre chemin, as they took another qu'ils way, pensent que c'est facile, think, mais qui en réalité, easy, devant Dieu, est difficile pour eux, before God is difficult parce for que them, Jésus a tout fait à la croix, because Jesus did all at the cross. Et comme ils prennent ce chemin, as they take that ils way, prennent la croix, they take the cross, à un niveau, ils coupent la croix, at a, parce que a level, vous avez suivi l'autre dessin animé. Did you follow that? Une équipe de personnes qui ont gardé des croix that chacun. So that, qui a suivi une fois. Et l'autre a coupé sa croix. So, parce que c'est lourd. But for them, they took a, ils refusaient le brisement. And at a given time, one cut his cross. Refuser le brisement, c'est rejeter l'œuvre de la croix. To refuse the brokenness is to refuse. Et ce brisement n'a rien à voir avec l'apparence extérieure, n'a rien à voir avec la chair. Mais ce brisement est un brisement du Saint-Esprit qui détruit les désirs de la chair. That broken is a broken of the Holy Spirit that destroys the desire of the flesh. Gloire à Jésus. Le moi doit être brisé. L'homme extérieur doit être brisé. I am of the me. Galates 5, be broken. Verset 1. Galatians 5, verse 1. Galates 5. Oui. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. It's for freedom, Jesus said to you. Demeurez donc ferme. Demeurez ferme en Jésus. Stay firm et in ne Jesus. Vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi te mets-tu sous le joug de la servitude? Why are you putting pourquoi mettons-nous yourself sous la servitude? Under slavery? La servitude à laquelle Jésus slavery nous a délivré déjà. From which Jesus delivered us. Yes. Alors, l'homme se mettant sous ce joug so de la servitude, putting himself under that son burden, moi, qui fait quelque chose. Thinking that his et je dis, quand il se met en haut, Dieu ne l'a pas placé. I say when Dieu le brise, l'écrase, pour qu'il grandisse dans la maturité, God broke selon him les étapes de la foi, de la nouvelle naissance, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. According to the level till the Romains 10, verset 1 à 4, le brisement par la croix est indispensable. The brokenness by cross is very sans ça, available. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Without that, sans ça, the Holy Spirit le cannot Saint-Esprit operate. Ne peut pas opérer. The Holy Spirit la chair et l'Esprit ne cohabitent pas ensemble. Flesh and spirit do not stay together. Sans ce brisement de la chair, without that, le Saint-Esprit ne peut pas se glorifier. Flesh, et c'est ce qui Holy empêche la manifestation glorify. Du Saint-Esprit that prevent manifestation of the Holy qui est lié à l'ego personnel, that is tied qui est lié à la pensée de la chair the own person de l'homme to the qui n'a pas encore connu la régénération of the man de l'Esprit. Who does not know the regeneration alors il of parle the Holy comme Spirit. Celui qui est de la terre so parce qu'il n'est pas encore like affranchi du péché man, ni affranchi de l'Esprit, not said de la loi the sin, by the et law libéré also, par la foi. Oui. And be free by faith. Romains 10. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu. À propos de la vue de telle personne qui avait un zèle sans intelligence. Et so Paul saw et priait pour eux par compassion. Without oui. Knowledge. Le vœu de mon cœur et la prière à Dieu pour eux, oui. C'est qu'ils soient sauvés. Uh-huh. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle, c'est vrai. They have zeal, ces types de chrétiens ont du zèle. Those Christians, they un have zèle qui ravage tout. A zeal that destroys everything. Sans intelligence. Without understanding. Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de they Dieu. They know not God's justice. Et cherchant à établir leur propre alors, justice. Alors, comme ils se sont écartés de la justice de Dieu, as they out ils from ont établi God's justice, leur propre justice comme Moïse, their own l'établissant justice, sur des, like les lettres
de la loi. Establishing on the lesson. Et la Bible dit quiconque mettra en pratique cette loi Bible sera justifié par elle. Anyone will practice oh, Jésus est venu à la croix. Will be justified by que Christ est la fin de la Jesus loi went at the pour cross. La justification de ceux qui the croient. The scripture says Christ c'est is ça. The end of the law c'est ce, for justification c'est selon la sainte doctrine believers. Que Christ l'a fait pour que nous qui sommes nous qui croyons à la sainte doctrine nous sachions que rien n'est fait par les efforts de la chair, mais par la foi en Jésus-Christ. Christ did it by the sound doctrine for we. Who si je suis en Jésus, sound doctrine, je ne suis plus sous la loi, if mais I je am suis in dans Jesus, la grâce. I am no longer et cette on the grâce law, me libère du joug de la servitude. That grace set me, me from libère de la loi du péché, from me libère des œuvres de la chair. From the work of the flesh. Gloire à Jésus. Continuez. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors comme ils ont pris leur propre justice charnelle, as they take their own flesh ils ne justice, se sont pas soumis à la justice they are not submitted to the justice of car God. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ce qui veut dire que crois et tu seras sauvé. What means that reçois le Saint-Esprit and you will be saved. Humilie-toi. Reçois le Saint-Esprit et il te produira en toi humiliate yourself, des œuvres de la grâce. He'll produce in you work il t'aidera grace. Par le prisme, l'humilité he will help you à manifester la foi humility et ses œuvres. To manifest faith and car c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas nous qui le faisons. Is the nous n'avons rien does à faire. We have nothing ce to que do, nous pouvons faire, what c'est we de can croire en Jésus, to believe de in nous Jesus, humilier, to de recevoir le Saint-Esprit. Receiving the Holy et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de nous efforcer. Who permit us to parce que in force, quiconque se bat sur sa propre force n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Et seul lui qui est né de nouveau, qui reçoit le Saint-Esprit, receiving the Holy Spirit, est né d'esprit, is born by conduit the Spirit, par l'esprit, driving rien n'est difficile Spirit, pour lui, nothing is difficult rien n'est compliqué to him, pour lui, parce qu'il croit en Jésus because he believes et in qu'il Jesus, ne se détourne pas de l'œuvre de la croix. He's not going out from the word of the cross. Alors l'orgueil, so the proud, la vaine gloire, the la satisfaction glory, de la chair satisfaction of the flesh, a pris place dans leur vie take place in their à life, cause du rejet de la grâce because of the reject of the à cause du rejet du sang de Jésus because of the reject of the blood of Jesus, à cause du rejet because of the reject de l'esprit de la grâce of the spirit of grace. Alors ces croyants those ils font l'œuvre de Dieu they do the mais sans of God, Dieu. But without God. Beaucoup font l'œuvre de Dieu, mais sans Dieu. Many are doing God's Dieu lui-même ne les considère pas. God. God ils, sont, ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas sous la main convenable de Dieu. God's work, but they are not under que cela ne soit jamais God's comme ça sense. Pour toi. Let that not be like dis that amen. To que you. Cela say ne soit amen. Jamais ainsi pour toi. Faire l'œuvre de Dieu sans Dieu, c'est de, pas, c'est de ne jamais connaître Jésus. To do God's work without God, beaucoup servent Dieu sans God. Connaître qui est réellement many Jésus. Are serving God without know c'est le cas de Nicodème. Who is Jesus? Il avait du zèle pour Dieu, mais n'était pas ce zèle n'était pas zeal pour la God. Foi ni pour Jésus. That was not for faith, la not for Paul Jesus. Avait du zèle. Et Paul so Paul il pensait œuvrer pour Dieu. He en réalité, par son zèle, il God. Persécutait l'Église. But by his zealous, he persecuted the church. Que ce zèle ne soit jamais mentionné en nous. May that zeal be not mentioned in us. Gloire à Jésus. Amen. Alors, lorsque Paul a rencontré Jésus, when Paul met Jesus, il n'est plus la même personne. He was no longer the c'est same je dis, person. Si tu rencontres réellement Jésus, reason why I am saying tu n'es plus la même personne. Meet Jesus, really, you are not the si same tu person. Rencontres réellement Jésus, if you really tu meet es Jesus, une nouvelle créature. You are a new creature. Les choses anciennes sont passées. All things has toutes passed. Choses sont devenues nouvelles. And everything has become est-ce new. Est-ce que tu es en Jésus réellement? Are you really in Jesus? Est-ce que Jésus c'est-à-dire, Jésus habite en toi. Is Jesus dwelling pendant in la you? Louange, les chants ont entonné le chant qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. » Mais vraiment en moi, je pleurais en moi. Me, who is no parce longer que living, is Christ who is living in me. Plusieurs ne connaissent pas ce chant qu'ils chantent. Because many know ils that chantent this ce chant song à la bouche. Singing, they sing on the mouth. Ils ne connaissent pas réellement sa signification they really spirituelle. His spiritual meaning. Alléluia. Mais par cet enseignement, par by cette prédication, preaching, il te donne la compréhension. Give you que toi, that qui you, vis, ne, tu ne fais rien. Who's living are doing nothing, tes œuvres sont mortes. Your work are dead. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Hébreux 9 the scripture says, que le sang de Jésus
par un sang éternel nous a délivré des œuvres mortes. Pour que nous servions le Dieu vivant. Est-ce que tu sers le Dieu vivant? Are you serving the living God? Le Dieu vivant est un Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit. The living God gives you the Holy Spirit. Mais le Dieu mort est un Dieu basé God, sur les œuvres mortes de la loi, based on the de work la chair of law, et du péché. And of sin. Tous ceux qui croient en Jésus, all who believe in Jesus, ont reçu le sceau du Saint-Esprit. Receive the seal of the Holy Spirit. La plupart ont attristé le but Saint-Esprit. Make the Holy Spirit Ils sad. Ont attristé le Saint-Esprit. They make the Holy Spirit sad. Pour tourner à un autre Jésus. To turn to another Christ. Un autre Jésus. Another Jesus, please. Un autre joug. Another burden. Basé sur la pratique des œuvres mortes. Practice of dead works. Nous savons que ce n'est pas par les œuvres mortes. You know that it's not by que dead nous sommes works, sauvés. We are saved. Mais par la foi. But by faith. Par le renouvellement du Saint-Esprit en nous. The renew of the Holy Spirit in qui us. Donne la possibilité de produire la foi et ses œuvres et leur manifestation. Faith and his manifestations. Gloire à Jésus. Amen. Alors, comme se détourne du vrai Jésus, as it goes out from the, il entre dans un, to God, dans un autre chemin, basé sur des jougs. Based on burden. L'Écriture nous dit que ce n'est pas pour la servitude. The scripture says it's not que nous for sommes appelés slavery, à demeurer avec Jésus, to stay with mais Jesus, d'être libéré but to be free de la servitude. From slavery. Et pas un vain orgueil. By a useless proud, il se détourne du Saint-Esprit. That goes out from the Holy Spirit. Si le Saint-Esprit n'est pas sur terre, if the Spirit is depuis not on the earth, le tout est accompli, since all has been done, et officialisé depuis le jour de la Pentecôte, and since the day of Pentecost, l'Église n'a plus de valeur. The Holy Spirit has no longer value. La croix de Jésus est inutile si nous mettons le Saint-Esprit Christ de côté. Is useless if we put pour the Holy Spirit un réveil spirituel outside. De gloire, for a glorious il faut la confiance revival, en le Saint-Esprit. We should put confidence la confiance the Holy Spirit. La confiance au Saint-Esprit. Confidence with the Holy Spirit. Il faut que nous élevons le niveau. We should raise nous the quittons level. Le niveau primaire. We should depart from the primary level. Laissons le B.A.B.A. We should let down montons, the primary things. Montons dans la gloire. And to increase in parce glory. C'est une église qui montera because dans la gloire, qui sera élevée. That will raise mais la glory, chair, that le sang ne réitéreront pas le ciel. Flesh and blood will not si tu passes toute ta vie heaven, à te baser sur la chair, les œuvres mortes, la loi, you spend your le péché, based on work au of son the flesh, de la trompette, tu seras on péchu. The sin, and the trumpet car ringing will Jésus be ne vient pas enlever une église charnelle. Jesus come not to remove Jésus ne revient pas a flesh enlever church. Une église he comes morte. Not to remove a dead morte church. Pas le, la loi. A church dead, died by the flesh. Non, Jésus vient il Jesus revient enlever une église glorieuse. A glorious church. Des chrétiens nés de nouveau. Newborn Christians. Qui ne se confient point à la chair. Who are not confident mais qui in placent flesh, leur confiance au Saint-Esprit. But put their confidence ouvrons the le chemin Spirit, au Saint-Esprit de travailler. Open the way to us. Laissons le Saint-Esprit glorifier Jésus. Let the Holy Spirit que le Saint-Esprit glorify ait une Jesus. Place dans ton cœur. Parce que s'il n'est pas là, if he's not tu there, es vide. You are empty. Tu es comme une bouteille you are vide. Like an empty bottle. Une bassine vide. An empty bowl. Des tonneaux vides. An empty bowl. Pour être rempli, il faut avoir le Saint-Esprit. You should have the Holy sinon, Spirit. Tu es comme un tonneau vide. If not, you are an empty c'est pourquoi l'Église doit chaque fois demander la régénération du Saint-Esprit. Regeneration le renouvellement du Saint-Esprit. Renew of the la Holy Spirit. Plénitude du Saint-Esprit. Plan full of the Holy Spirit. D'être une église vivante. To be une église affermie. Une église glorieuse. Une église a triomphante. Church. Une église puissante. A powerful par church. La foi, par l'esprit. By faith, by spirit. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Dans la grâce. In grace. Pour la victoire. For victory, pour l'enlèvement de l'église. For removal. Gloire à Jésus. Amen. Alors, tous ceux qui croient en all who believe in Jesus ont reçu le sceau, comme je l'ai dit. Receive a seal. Mais la plupart ont attristé le Saint-Esprit. But most make the Holy Spirit pour se tourner vers d'autres jougs basés sur la pratique des œuvres mortes. Pas un vain orgueil. By useless pride. Ce n'est pas parce que tu as fait ci, it's tu as not fait because ça, you do this or that, que Dieu est avec toi. That God is mais with c'est you. Pas sa grâce qui because te donne le pouvoir de faire ci et de faire ça. Who gives you power to do this or that. Ephésiens 4, 30. Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, le cette verset prédication 30. Est très importante pour l'ascension dans une dimension de gloire. This preaching is very c'est pourquoi important je prends mon temps
for increasing in the Et je reviens sur les mêmes choses. Reason why I take time to come back on pour que ça soit un témoignage pour l'église qui se prépare pour l'enlèvement de l'église. Who is preparing for oui. the removal of the 4, church. Verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Tu as cru en Jésus. You mais believe in Jesus. Tu l'as attristé après. But you make him parce que longtemps grief, tu t'es détourné de Jésus. Because you come out from Jesus. À cause des œuvres mortes. Because of the dead work. Et à cause du moi. Because du of je, the me. Du moi. The I. Du je. The me. Le moi, le je n'hériteront pas le royaume des cieux. And I want inherit the kingdom c'est lui of heaven. En moi qui It's héritera le royaume des cieux. In me who will inherit the kingdom of c'est heaven. C'est lui opérant en moi. Him operating in me. Moi témoignant de lui en moi, montrant ses œuvres en moi pour les autres qui iront au ciel. Showing his work in me who will go et to non heaven. Moi, not et non me, je, not et I, non la chair not et ses the passions. Flesh and his passions. Gloire à Jésus. Amen. Lisez-moi. Let's read. Non, je lis, je continue d'abord l'explication. I continue. Alors comment ont-ils attristé le Saint-Esprit? How do they make the Holy Spirit écoutez sad? Très bien. Listen well. Ils ont perdu confiance en Jésus. They lose confidence on Jesus. Ils se sont retournés dans leur propre œuvre qu'ils pratiquaient dans their le passé. Own words they were practicing. Je parle toujours de la loi. I'm talking c'est about la loi the qui law. Donne la puissance au péché. The law gives power to the sin. Or par l'œuvre de la croix, by the work of le trust, sang de Jésus the blood versé of Jesus flow down, a été rendu capable was being able de jouer un rôle, to play a role, par le moyen du Saint-Esprit, by the Holy Spirit, de purifier to purify leur conscience des œuvres mortes. Conscience from dead works. Nous n'avons aucun pouvoir de nous purifier des œuvres mortes. No power to purify ourselves. C'est ça la puissance de Dieu et notre faiblesse. That is God's power parce and que our weakness. Le sang de Jésus a été versé because the blood of Jesus was thrown down for a goal. Le sang de Jésus n'a pas été versé inutilement. The blood was not thrown down uselessly. Hébreux 9, verset 13 à 14. Hébreux 9, verse 13 to 14. Hébreux 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche, offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Afin que vous serviez le Dieu. Le sang de Jésus est vivant, the blood grand, of Jesus pour purifier ta conscience des œuvres mortes. To purify you from dead alors words. Confie-toi en Jésus. So have confidence pour bénéficier on Jesus de la puissance du sang de Jésus. Benefit the power of the blood of Jesus. Alors, ils ont négligé la puissance du sang de Jésus-Christ. The power of the blood ils ont of Jesus. Bafoué l'œuvre du Saint-Esprit. They reject the work of the Holy et s'appuyant sur leur chair. Take step on their flesh. Or, que dit l'Écriture? What does the Scripture say? Tite 3, 4 à 7. Titus 3. Tite 3, 4 à 7. Verse 4 to 7. Tite 3, le verset 4 à 7. Non, à 7. Ok. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont écoutez, été manifestés. Écoutez très bien, c'est ça la sainte doctrine. Well. This is the sound doctrine. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ont été manifestés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. He saved us. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Les œuvres de justice que nous aurions faites, que nous faisons. Sont des œuvres qui produisent en nous l'orgueil. Parce que nous faisons ces œuvres sans Jésus. Et ce n'est pas le Saint-Esprit en nous qui les produit, mais notre chair. Et cette justice est charnelle. Il ne nous a pas sauvés par ces œuvres de justice. Mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Ah, oui? Qu'il a répandu est-ce sur que vous nous. Méditez la parole? C'est clair. Si vous avez une vie de méditation, you have a vous allez découvrir life, ces secrets. You will discover those secrets. Et cela vous grandira en esprit. That will grow oui. you up in spirit. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Afin que, justifié par sa grâce,
Nous devenions en espérance héritiers de la vie héritiers de la vie éternelle. Those who will inherit the L'Écriture bafoue la justice de l'homme extérieur. Et cette justice, the justice est of the man. Une vaine gloire. That justice is basée a useless sur la satisfaction glory, de la chair. Based on satisfaction basée sur of les the émotions. Flesh, basée based sur on emotions, les sentiments on de la pensée de l'homme. Of the thought of man. C'est-à-dire, ta propre pensée te conduit. Own thought si tu n'as pas l'esprit. If you have not alors, the Holy Spirit. So, pour dépendre de Dieu seul, to depend on God pour dépendre only, de Jésus-Christ, to depend on Jesus, crucifié à la croix, crucified pour dépendre uniquement du sang de Jésus only the blood et du Saint-Esprit, and the Holy Spirit, il faut le brisement, we need the le baptême de régénération baptism of regeneration, et le renouvellement du Saint-Esprit. And the renew of the Holy As-tu Spirit? Déjà reçu le baptême de régénération? You receive the baptism of regeneration? Qui a reçu le baptême de régénération? Who received the baptism? Qui a reçu le baptême de régénération? Who received the baptism of revelation? Le baptême de régénération. The baptism sans of ça, revelation. Personne n'ira au ciel. Without that, qu'est-ce no que one soit can tout ce que tu heaven, fais? Whatever sans you le are baptême doing, de régénération. Without baptism à of regeneration, plusieurs many will parce que c'est lose. Ce baptême qui donne le, la because force that baptism, à la c'est-à-dire qui donne la force à l'esprit humain power to the spirit of de man, monter lors de l'enlèvement de l'église. To raise ta chair n'a pas de force. Your flesh has c'est no pourquoi power. La force que tu manipules manifeste plutôt par ta chair. Manifest by your flesh est une justice charnelle. Is a flesh justice. Et cette justification est that zéro. Justification is useless. Mais la vraie qui te donne le salut but éternel et l'espérance de l'héritage éternel en Jésus-Christ est le baptême de régénération. The baptism of regeneration. Ça on appelle la nouvelle naissance. The newborn. Et le baptême du Saint-Esprit. And the baptism of tu the Holy Spirit. Le baptême de régénération. You should receive the baptism mais pour le recevoir, of regeneration. Il faut l'humilité. To receive it, you need humility. Pour le recevoir, to receive it, rendons-nous petits. Let rendons-nous enfants. Little. Soumettons-nous child, à Christ. Submit it to Christ. Beaucoup ont fait des années. Tu peux faire 10 ans dans you l'église. Can make 10 years in the church. Sans avoir le baptême de régénération. Without having tu peux faire 2 ans, 1 an, 3 mois. We can make des jours dans l'église. Hours, one hour. Mais quelqu'un peut venir aujourd'hui pour la première fois et il reçoit le baptême but de régénération. Il est baptisé time, du Saint-Esprit, prophétise, manifeste les œuvres du Saint-Esprit. The work of the Holy mais toi, Spirit, qui es en Christ depuis, who is in Christ, ou bien qui est membre de l'église, who is member of the tu Christ, peux rater l'enlèvement. You cannot miss faut-on du removal, baptême de régénération because you que have tu not n'as pas encore reçu. Of regeneration. As-tu le renouvellement du Saint-Esprit? Do you have in the renew of the Holy Spirit? Ça nous appelons le renouvellement de l'intelligence. That is what we call renew of se fait par le Saint-Esprit. That is done by the Holy Spirit. As-tu la victoire par le sang de Jésus? Do you have victory by the blood of Jesus? Assumes-tu ton identité en Christ? Do you accept your As-tu identity in Christ? Es-tu encore esclave de la peur? Are you slave? Esclave des démons? Of esclave de la sorcellerie? Of slaves? Esclave de Jésus-Christ? Are you slave of Jesus? As-tu l'assurance du salut éternel? Do you have insurance of eternal salvation? Alors, si tu n'as pas l'assurance au baptême de régénération, to the baptism qui of sont des œuvres spirituelles et non charnelles, spiritual works, si tu n'as pas l'assurance au renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire, si chaque fois tu ne t'abaisses pas pour que l'Esprit te renouvelle, you not en réalité, yourself, c'est un jeu. Abaisse-toi, l'Esprit te renouvelle. You get low, brise, and the Spirit soumets-toi pour que l'Esprit te brise. Submit yourself et for the Spirit en toi. You and raise in you. Alors, si tu n'as pas ces choses en toi, if you have not those il te reste in you, du travail. It remains you mais ce travail se passe that d'abord work is doing, par Seigneur, je ne connais rien. By Seigneur, Lord, je ne suis rien. I don't know c'est anything, pourquoi Jésus va dire à l'église de Laodicée, reading what Jesus said to that tu church, penses que tu es riche. You think that you are rich? Et tu dis en ton cœur, je n'ai you plus besoin de rien. Heart, I need nothing. Je n'ai plus besoin de connaissance. I need no je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. I need not the Holy Spirit. Mais il dit, achète de l'or et prouvé par le feu. Qui est la connaissance God, du royaume, take through the fire, le brisement spirituel that is a spiritual et brokenness, l'élévation dans la gloire. And the raising in glory. Jésus m'a dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. You lose your first love. Le premier amour n'est pas les œuvres. Is not works. Le premier amour, the first love, c'est Jésus is Jesus, qui produit les œuvres. Who produces si works. Tu n'as pas Jésus, if you have ou si no tu avais Jésus, of if you et had tu t'es détourné Jesus, de Jésus, you become out from tu n'as him, plus ton premier amour. You have not your first love. Réconsidère tes voies. Let's consider again your ways. Demande à Jésus. Ask Jesus, dis-lui,
tell him que tu croisses that et que je diminue. Jésus, increase and I ce decrease. N'est pas que j'ai déjà remporté le prix. I have not owned mais the je veux le remporter. Price, but I want Jésus to habite en moi. Jesus stay in il faut me. Que Jésus homme Jesus man opère en toi. Should operate in you. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Philippiens 2:5. Reasons of the scripture says, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. In you feeling that were in Jesus. Lequel existant en forme de Dieu, the one n'a point vu as man, à s'arracher d'être égal à Dieu. Want not to be, mais il s'est humilié lui-même. Equal to God, but devenant semblable aux hommes. Become like man. Si Jésus s'est humilié, if Jesus il a été brisé. Himself, qui es-tu pour échapper au brisement? To run qui suis-je away the pour échapper à la who croix? Am I to not si quelqu'un veut venir à Jésus, cross, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa chair, et c'est ce qui est difficile. Himself, and that is difficult. C'est difficile. That is difficult. Alors, se dépouiller devient facile. So to strive, it becomes mais naître de nouveau easy, spirituellement devient la plus difficile. Spiritual become the most difficult. Brisons-nous, demandons au Saint-Esprit let's de briser la chair ourselves. Pour que, étant conforme à son image, for be conforming nous sommes de temps en temps renouvelés par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient Christ, pas. He belongs not to him. As-tu l'esprit de Christ? Do you have the spirit of Christ? La réponse à cette question, the answer of that question, est dans l'homme intérieur te dira qui tu es. Is the inside man. Ayons l'esprit de Christ. Let's have parce que l'esprit of de Christ se manifeste par nos œuvres. Christ manifeste les œuvres que nous faisons, les œuvres que nous faisons témoignent si nous avons le Saint-Esprit. Doing, testify if you have si tu as le Saint-Esprit. If you have the Holy tu produis Spirit, des bonnes œuvres. You produce des bonnes good œuvres. Works. Est-ce que tu appartiens à Christ? Do you belong to Christ? Ou tu appartiens? Or you belong à une assemblée locale? To an assembly. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Do you belong to Jesus? Philippiens 3:3. Philippians 3 verse 3. Philippiens 3:3. Philippiens 3 le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Le culte doit être rendu par l'Esprit de Dieu. The Spirit should be given by the Holy Spirit. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Maintenant, comment ce culte doit être rendu par l'Esprit de Dieu en toi? Glorifie-toi en Jésus-Christ. You should glorify yourself in Christ. Et qui ne mettons point notre confiance et ne mets plus ta confiance en ta chair. And put your confidence into your alors, flesh. Tu glorifieras Jésus. Then et ton culte sera agréable Jesus à Dieu. Your cult will please God. Et comme les hommes as men, ont laissé le chemin facile, let them the qui est easier way, l'œuvre du Saint-Esprit, that is the work of the le Holy baptême Spirit, de régénération, baptism of regeneration, parce que pour eux cela est difficile, because for them that is difficult, ils se sont imposés des préceptes charnels some flesh things, qui ne sont pas basés sur la sainte doctrine de Christ. On the sound doctrine of Christ. La sainte doctrine, c'est une the personne. Doctrine is a person. C'est Jésus-Christ. It's Jesus. Et la sainte doctrine, and the sound c'est l'esprit de la vérité the spirit of truth qui communique la volonté that de Dieu. Communicates the will of God. Alors, comme la nouvelle naissance devient difficile as a newborn à cause du manque d'humilité because of lack et du manque of humility, de brisement lack of par le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, alors voici ce qui se sont fait. So what les they hommes charnels qui n'ont flesh pas l'esprit de Christ. Who have not the spirit of God, le brisement est important pour tous. Broken is important for pour les croyants. For believers, pour les disciples de Christ, for disciples of Christ, et pour les prédicateurs de la parole, for preachers of the word, personne n'est no one ne peut accepter, c'est-à-dire personne cannot ne be peut se détacher de ce processus. Put out from si that nous sommes, nous croyons à if Jésus, we believe in Jesus, par l'amour de Christ, by the love il nous impose of Christ, ce brisement. Qui give them alors écoutons ceci. Brokenness. Colossiens 2, le verset 21. Colossiens 2, verset 21. À 23. Colossiens 2, après verset 21. Ne prends pas. Non. Retournez un peu en arrière. Verset 20. Si vous êtes mort avec voilà. Christ. Si vous êtes mort avec Christ. Au rudiment du monde. Au rudiment du monde. Pourquoi comme si vous viviez si je suis né de nouveau.
If I am born again, pourquoi je suis en Christ? Why am I in Christ? Encore des préceptes. They ask me some commands. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Is the one who is not born again. Qui est sous des préceptes charnels. Who is under commands of flesh. Mais si je suis né de nouveau, je suis conduit par le Saint-Esprit. Et ma loi est dans mon cœur. La loi est l'Esprit Saint. I am driven by the Holy Spirit. Le Christ, Jésus, qui est en moi, le Saint-Esprit. Christ is in me, Holy Spirit. La loi est dans mon cœur. The law is in my cœur spirituel. My spiritual heart. Et la loi n'est pas dans la chair. And the law is not in flesh. Oh, la loi, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Continue la lettre. Kill, but the Spirit gives life. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde? Vous impose-t-on ces préceptes? Pourquoi? Ne prends pas. Ne prends pas. Ne goûte. Goûte pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux. Pernicieux par l'abus, parce que ça ne finit jamais. Ça continue, that ça s'accélère. Ça devient un fardeau charnel. Oui, continuez. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances. Les ordonnances. Et les doctrines. Des doctrines. Hommes. Des hommes. Des hommes. Et non sur la sainte doctrine de Jésus. Oui. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. La plupart de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont dans le péché, esclaves de la loi, charnel, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Un culte volontaire, c'est-à-dire un culte, eux, leur culte, ils choisissent comment gérer leur culte. Leur culte est différent du Saint-Esprit. Or, selon la sainte doctrine, but il y a un seul culte rendu par l'Esprit Saint. One cult given by the Holy Spirit. Un culte qui glorifie le Saint-Esprit, cult that qui détruit la chair. Spirit, alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, brisé, born again, il devient broken, un homme charnel. Il rend un culte charnel, un culte volontaire. Cult. Oui. De l'humilité. La fausse, ça c'est une fausse humilité. Et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction, De la chair. La nouvelle naissance ne contribue pas à la satisfaction de la chair. Contribute not to satisfaction elle conduit of the flesh. À la satisfaction de l'esprit. That try to satisfy the Holy Spirit. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame the Lord. Alors, Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Oui. Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? En réalité, si nous sommes en Christ réellement, really, et que nous avons subi le processus de la régénération, le baptême de régénération, baptism of regeneration, Dieu, les œuvres que Dieu a dessinées pour nous depuis God destined to l'éternité us from eternity, seront since eternity, produits en nous will be produced par notre foi. By our faith. Et ces œuvres sont les œuvres de la grâce of grace et les œuvres de la foi. And work of faith. Qui sont produits par le Saint-Esprit, that are produced by the Holy Spirit, par le moyen de l'œuvre de la croix. By the way of the work of cross. Et l'Écriture dit, la foi peut-elle sauver? Says, can the faith, can la foi faith, sans les œuvres ne peut pas sauver. Faith without work cannot save. C'est quoi la foi? C'est les œuvres what's faith? Qui déterminent quelque chose que l'on espère, where's that determine mais que what l'on n'a pas encore reçu. And we receive not yet. Alors celui qui n'a pas le Saint-Esprit, the one who have not the Holy ou, mais Spirit, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, produit des œuvres mortes. Dead c'est pourquoi la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Bible says, oh, la vraie foi qui produit les œuvres, ou bien work. Les œuvres de la foi, the sont la production of du Saint-Esprit dans mon homme intérieur, dans mon esprit. A production of the Holy Spirit in my spirit. Je dois pratiquer les œuvres de la foi. I should practice work of mais faith. Cela est but that is impossible sans le Saint-Esprit. Without the Holy Spirit. Cela est impossible, that is impossible sans le baptême de régénération. Baptism of alors regeneration. Celui qui a reçu le baptême de régénération, so qui of est regeneration, en Christ et en qui Christ habite, pratique déjà les œuvres de la foi. Practice work of faith. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit the one who has not the Holy Spirit, et ses œuvres dans sa vie, and his deed in his life, ses œuvres sont mortes et charnelles. Dead. Et tu vas le voir crier, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si je suis en Christ, je dois pratiquer les œuvres de la foi. If I am in Christ, I est-ce que tu les pratiques réellement?
Do you practice them really? Tu ne les pratiques pas parce que you tu ne te confies pas au Saint-Esprit. You don't have confidence tu ne te confies the pas Holy au Saint-Esprit. You don't have confidence on the Holy Spirit. Mais tu cries œuvre de la foi. But you are shouting foi. Work of faith. Ces œuvres de la foi ne sont pas œuvres de la those foi. Work of faith are not work des by faith. De la chair. The work of flesh. Gloire à Jésus. En Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous. In Christ, by the Holy Spirit living in us. Les œuvres de la foi. The work of faith. Sont produits en nous par nous. Are produced et pour in nous, us by par us, l'assistance de l'Esprit de Jésus. By the assistance of the Spirit of Jesus. Lisons 2 Corinthiens 3, 5. 2 Corinthiens 3, verse 3 to 5. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Ce n'est pas à dire que tu es capable. De concevoir quelque chose. De concevoir quelque chose. Non. Comme venant de nous-mêmes. L'homme spirituel, c'est en lui qui ne peut rien concevoir the venant de lui-même. Man knows hein? He cannot notre do capacité, something from his own ta capacité, ma capacité, notre capacité, capacity, la capacité, capacité de l'Église, au contraire, church, vient de Dieu. Vient de Dieu. Comes from God. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Philippiens 2, 13. Lisez-moi Philippiens 2, 13. Philippiens 2, verse 13. L'Église, pour être glorieuse, doit laisser le Saint-Esprit agir. Laissons Jésus agir dans son Église. Let Jesus act in his church. Laissons le Saint-Esprit let the Holy Spirit ouvrir l'atmosphère spirituelle. Cover the spiritual atmosphere. Et cela se passe par le brisement, par la croix. L'humilité humility, absolue. Absolute humility. Et l'élévation dans la gloire par le Saint-Esprit. Raising in glory oui. By the Holy Spirit. Le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. Le Dieu, c'est Dieu qui produit en vous. It's God who produces in you. C'est Dieu qui produit en moi. It's qui God produit who en toi. In me, in you. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Selon the son will bon and plaisir. The c'est pourquoi vous allez voir beaucoup sont sous l'emprise this du péché. Ne sont jamais délivrés. Ils tombent aujourd'hui, ils tombent demain. They fall now, ils they font toutes choses pour sortir. Mais c'est incapable. Out, but they are parce qu'il n'a pas encore connu le Saint-Esprit qui a franchi. The Holy Spirit who set free. Il n'a pas encore. He expérimenter la nouvelle naissance réelle. The really newborn. S'il comprenait que c'est Dieu qui produit en lui God, le vouloir, God in le faire, et qu'il n'est pas capable de qui, done, quoi que ce soit, and they are not et que ce n'est pas la croix and by the qui cross, est capable de, quoi, de quelque chose par le moyen du Saint-Esprit, la loi, the le law, péché, the la sin, mort, le the diable, the devil, l'enfer, n'ont point de pouvoir sur lui. Have no power on him. Alors, sans le Saint-Esprit, so without the Holy Spirit, toutes les œuvres que nous faisons we are doing sont zéro, are useless. Charnel, by flesh, ne peuvent sauver. Cannot save. Sans le baptême de régénération, without the baptism of regeneration, il est impossible, it is impossible agréable à Dieu. To please God. Or, c'est la foi faith, vivante en Christ, living faith in Christ qui produit that produces par le Seigneur by the Lord, la régénération, regeneration, par notre humilité. By our humility. Alors, ce que l'Église doit chercher what le plus, the church will search, l'Église dans la dispensation de la grâce doit chercher le plus, of grace will c'est la manifestation du Saint-Esprit. Of je the Holy quand Spirit, je parle de manifestation when du Saint-Esprit, I say manifestation, je ne parle pas d'abord des dons spirituels, non. Spiritual tu peux avoir des dons spirituels, you can have spiritual mais gifts, si tu n'as pas encore subi la régénération if spirituelle, you have not passed by cela ne te servira à rien. That will be et tes dons spirituels vont produire des œuvres de la chair, will do des œuvres mortes, of flesh, parce qu'elles ne sont pas accompagnées because par not l'Esprit. Followed by the Spirit. Alléluia. Ce que l'Église doit chercher le plus, what the church should search c'est la manifestation most du Saint-Esprit is manifestation dans l'Esprit of the Holy Spirit de chaque croyant. In the spirit of each believer. Je parle ici en tant que docteur I'm talking here like du Seigneur qui nous of the Lord. Le Seigneur qui nous interpelle à comprendre the Lord told us to understand que la sainte doctrine that the est une loi spirituelle. Is a spiritual law. Quoi l'Écriture dit dans Romains 8 the scripture said in Romans 8 la loi de l'Esprit m'a affranchi the spirit of law set me de la loi du péché from et de la mort. The spirit of death and la sainte doctrine est spirituelle. The sound doctrine is spiritual. Alors si je n'ai pas encore été affranchi if I am de la chair from the flesh, pour vivre en esprit, to live by spirit, la sainte doctrine n'a pas encore the été sound pratiquée doctrine en moi. Not practicing in me. C'est pourquoi nous devons atteindre toutes les dimensions de la sainte doctrine. All the goal of the sound doctrine. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 2 Timothée 1, verset 14. 2 Timothée 1, verset 14. 2 Timothée 1, oui. Le verset 14. Garde le bon dépôt. Bien-aimé, garde le bon dépôt. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, comment tu if garderas the Spirit, le bon dépôt?
le dépôt. Stay not in you. How could you? Si tu as réellement le Saint-Esprit, if you have really the on Holy pas Spirit, besoin de crier pour que tu obéisses. Not to shout for you to obey. On n'a pas besoin de répéter quelque chose. We need to repeat something. Parviens à la justice. For you to attain justice. C'est pourquoi cherche le salut. Rosine, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême de régénération. That we call baptism. Dieu le donne gratuitement. God pour ceux qui veulent comprendre l'œuvre de la croix. For those who want to understand the work Dieu of le donne cross. Gratuitement pour God ceux qui s'humilient really et qui cherchent sa face. Humiliate and search nous voyons his face. Comment les disciples dans le, see how disciples la chambre haute s'étaient humiliés pendant un moment pour chercher le Saint-Esprit place humiliate to search jusqu'à the Holy Spirit ce qu'il descende sur eux. Till he come down on them. Et cet esprit descendant and the Holy Spirit come down, opère dans notre esprit in our et space. Nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. To be child of God. Être sous l'emprise du Saint-Esprit under the et non Holy Spirit, de la chair. Not the flesh. Écoute bien, bien-aimé. Listen well. Le jour où tu penseras être déjà arrivé par tes propres œuvres, arriving by your own works, sans en mettant le Saint-Esprit de côté, putting en mettant le sang de Jésus aside, de côté, en mettant la grâce de Dieu de côté, blood, en mettant the flesh of Jesus aside, c'est-à-dire en se mettant à une position supérieure putting yourself at the high place où Jésus n'était pas encore mis, where Jesus put no, mais you que not, tu t'es mis à cause des and you put yourself because mortes, of a dead work, c'est là le Saint-Esprit then the Holy Spirit te prouvera will show que you tu n'as pas encore commencé. That you have not started yet. Si tu penses déjà arrivé, you think that ta chair te you dit arrive, que tu es déjà arrivé, your flesh tells le Saint-Esprit you, te dit the Holy Spirit tu n'as pas tells encore you, commencé. You have not started il faut naître yet. De nouveau you should burn again avant de monter. Before increasing. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi l'orgueil de la chair a envahi l'Église. Of the flesh du temps de la fête, church of the last time. Car les croyants sont because devenus Christians des ennemis de la croix. Enemy of the cross. Ils ont renié le Saint-Esprit. They reject the Holy Spirit. C'est pas qu'ils l'avouent physiquement, not they are par leur langage, physically, mais by their dans leur esprit, language, cela a été déjà by, fait. By their spirit that pourquoi has been done because parce qu'ils ne tombent pas le Saint, au Saint-Esprit they gives de glorifier Jésus dans leur être Jesus intérieur. In their inside man. Ils mettent maintenant en faille. They put in failure. Ils annulent they l'œuvre the work de Jésus-Christ à la Jesus croix. Christ at the cross. Et cela, Jésus that Jesus voit son Église. Seek his church. Et voit l'église du temps de la fin. See the church of the last comme time, l'église morte. Like a dead church, parce qu'elle a rejeté l'essentiel what is qui est basé sur la croissance spirituelle et s'attachant aux choses de la terre. Or, l'homme terrestre est terrestre. Ce qui est né de chair est chair. Mais l'homme spirituel est céleste. Flesh is flesh, est délivré the spiritual one de la chair from du péché heaven, par la croix. From the work of sin of the gloire flesh au Seigneur Jésus. By the cross. Alors, comme ils sont devenus des ennemis de la as croix, they have become enemy of the cross, ils outragent le Saint-Esprit. They ils rejettent le sang de Jésus. The Holy Spirit. They reject the blood of Hébreux 10, Jesus. Verset 29. Hébreux 10, verset 29. Nous sommes déjà presque à la fin. We are going toward the end. Hébreux 10, le verset 29. Uh-huh. De quel pire châtiment pensez-vous? De quel pire châtiment? From celui what qui marche sans brisement. The one who is walking through bad brokenness won't celui qui renie la croix. Punishment. Celui qui the one ne who demande pas l'esprit de prendre cross, contrôle de sa vie. The one who not ask the Holy Spirit to take control renie le of sang his de Jésus life, et le Saint-Esprit. Reject the alors, blood of Jesus, the à la fin de Holy tous les Spirit. Temps, il subira un châtiment. At the end, he will pass si through punishment. Il ne se laisse pas briser. If he let not himself pour be broken, être humble pour que l'Esprit to be humble de Dieu l'apprenne for the à Holy marcher. Spirit teach him to walk. De quel pire châtiment pensez-vous? De quel pire châtiment? From which punishments? Que sera jugé digne? Pensez-vous sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds. Celui qui aura foulé aux pieds. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui aura tenu pour profane qui aura le sang tenu de l'alliance? Pour profane le sang de l'alliance? Par lequel il a été sanctifié. Par lequel il a été sanctifié. Et qu'il aura outragé l'esprit de la grâce. Outragé l'esprit de la grâce. Si nous outrageons l'esprit de la grâce. If we blame le réveil ne prendra pas. Of grace, le réveil ne montera pas. Won't not increase. Si l'esprit if the spirit de la grâce ne of prenne grace pas contrôle. Is not taking control. Il est impossible pour le réveil it's de prendre. Impossible for the revival là, to take. Chacun dira réveil, réveil. Each will say revival, revival. La chair. That will be in flesh. Dans la chair. Will be in les flesh, œuvres de la chair. Worse of flesh. Bien aimé, écoutons encore ceci. Beloved, listen. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset
23. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Lord. Oui, Proverbe 29, 23. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme, écoutez très bien. C'est deux types d'hommes ici. L'orgueil d'un homme l'abaisse, kind of man. Mais celui qui est faible d'esprit, humble d'esprit obtient la gloire, c'est ça? Oui. Voilà. C'est un seul homme. It's only one mais man. Deux hommes en un seul homme. But two men le premier in homme orgueilleux, proud man, c'est l'homme extérieur, la chair, the outside l'âme man, plus le the corps. Flesh, the soul and the body. L'homme extérieur se glorifie the outside de sa man chair glorifie parce que j'ai flesh. Fait ci. Que because Dieu m'a fait ci, this, parce que nous sommes comme ça, nous sommes me, meilleurs que les autres, we are nous sommes than les seuls, others, we are the c'est la chair ones. Qui te pousse, it's the flesh c'est la chair qui nous pousse à dire cela. Bring you to say that. Or, si nous sommes but en esprit, if we are nous sommes humbles in spirit, comme Jésus l'était. We'll be humble like Jesus was. Jésus est meilleur que nous. Jesus is mais pourquoi il a us. Participé à la chair comme nous? Why did he participate to a flesh alors, like us? Nous ne sommes meilleurs que quiconque. We are no better than c'est anyone. L'esprit qui nous rend meilleurs. The Holy Spirit could make et us celui better. Qui est meilleur réellement, the c'est l'esprit en nous is qui nous rend meilleurs. Us who make us better. Alors l'homme orgueilleux so, the proud est man, la chair qui n'a pas encore été brisée flesh, par la croix. Broken, il est orgueilleux. By the cross. He's proud. Et l'homme humble, c'est and l'esprit the man is the spirit, qui a accepté le brisement de la chair, brokenness of the flesh, qui a accepté la souffrance de la croix suffering of the cross pour, dans l'humilité, atteindre la gloire. Humility c'est pourquoi le thème glory. Est le brisement par la croix. The is de même the que Christ a été brisé à la croix, as Christ je was dois aussi at être the cross, brisé pour aller au ciel. To go to the heaven. Alléluia. L'orgueil the proud de l'homme of the l'abaisse. Alors, decrease him. Chaque homme a each une partie d'orgueil en lui. Has a part of proud cet orgueil in him. Est la chair qu'il porte. The proud is the flesh he bears. Qui le pousse à renier that la grâce de Dieu to reject the et l'œuvre du of Saint-Esprit. God and the work of the Holy alors, Spirit. Pas le brisement. So, by the brokenness, sa chair crucifiée, his crucified ses passions sont anéanties, his passion are destroyed. Le sang de Jésus purifie sa pensée des œuvres mortes forth from death et l'esprit and the qui demeure humble that say est élevé dans la gloire. Is lift up in glory. Alors le brisement devient so incontournable becomes, pour tous les chrétiens, y compris moi-même, l'interprète, tous les hommes de Dieu, toute l'Église a besoin all du brisement. Needs le brokenness. Brisement est incontournable. Brokenness, tu ne peux pas échapper au brisement. You cannot même escape. Si tu fuis au brisement, if you run away, le Saint-Esprit t'amènera. The Holy Spirit will tu n'échapperas bring pas you. Au brisement. You won't escape parce qu'il le fait pour ton bien. Because he's doing for your own good. Ton moi doit être brisé. Your eyes ça fait mal broken. Quand le moi est brisé. It's bad. Parce que tu ne vas plus when the avoir eye is le broken. Sentiment de tes propres pensée, because you won't have volonté, the feeling of your own force, your own will. Ton moi pleure. Your eye is ton esprit vive. Weeping for your spirit lives. Alors, ce brisement that est indispensable. Is available car la chair et le sang ne pourront monter the flesh dans le royaume des cieux. Blood cannot raise alors, ton moi doit être brisé par l'œuvre de la croix. Should be broken by the work of ta chair doit être engloutie the flesh dans la victoire. Swallowed in victory. Ton moi doit être crucifié. Your eye should be crucified. Ton je doit être détruit, anéanti be destroyed par la puissance de l'œuvre de la croix. The power of the work of cross. Jacques 4, 6. James 4, verse 6. Pour atteindre la dimension de gloire, il faut le brisement. To attain the dimension of the cross, we need oui. Brokenness. Jacques 4, le verset 6. Oui. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec la chair. God works not with the avec flesh, l'orgueil. With the pride. Le vain orgueil. With useless pense, avec les pensées humaines. With thoughts of oui. Men. Mais il fait grâce. Il humbles. Fait grâce aux humbles. But he gives grace to alors, humbles. Comme pour être pour cette nouvelle naissance, for that newborn, réel, really, par
L'œuvre de la croix dans la sainte doctrine. The work of the cross in the sound doctrine. Demande le brisement. That has brokenness. Sache en toi, il faut que know tu saches en toi que tu n'as pas encore commencé. That you have not started yet. Que tu n'es rien sans Jésus. You are nothing without Jesus. Et que tu dois ouvrir ta porte open your gate à Jésus to Jesus d'opérer en toi. To operate in you. Et tu verras and la gloire de Dieu dans ta vie. The glory of God in your Jacques life. 4, 10. James 4, verse 10. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, c'est clair. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez yourself before the Lord. C'est ça le brisement. That is the broken. Maintenant, à cause du manque de brisement, because of lack of brokenness, quand l'on prêche la sainte doctrine, when we preach the sound doctrine, ou bien l'on prêche la parole, we preach the word, des croyants vont intercéder d'autres personnes. Will pour dire, ah, think that c'est de lui on parle. About this or ou bien c'est, il parle de that. Ou bien quand la parole sort, the preacher is talking about this celui person. Qui n'est pas encore brisé se voit when the, être the word goes en dehors out, de la prédication. The one ça ne me concerne broken, pas. Moi, je suis déjà né de nouveau. Non. Seek himself out of je suis déjà preaching. Dépouillé, je suis déjà affranchi. Yet born, je suis déjà saint, je I n'ai pas besoin. Set, I need not. Non. No? Quand la parole sort, when the word goes elle out, te concerne, elle me concerne moi. Concerne you and me. Et c'est à nous and que la parole est adressée. The word is for us. Comme nous sommes du as dedans, we are inside, cette parole n'est pas adressée pour ceux du dehors, mais ceux du dedans. Outsiders, but for us. Gloire à Jésus. Quand la parole sort, when the word goes out, mets-toi devant la parole. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. 1 Peter. 1 Pierre 1, le verset 1. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. 1 Peter 5, verset 6 à 7. 1 Pierre 5, après le verset 6. À 7, oui. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps le brisement, c'est d'abord l'humilité sous la main de Dieu. Under God's hand. Aucun convenable, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit nous élèvera at the given time, the Holy Spirit dans une dimension meilleure, in a glorieuse. Dimension, glorious dimension. Oui. Et déchargez-vous sur lui. Déchargeons-nous sur Jésus. Et non, déchargeons-nous sur nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas porter le fardeau. We cannot take et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Come to you, you est-ce que tu tired. Es fatigué? N'es-tu charge. Pas fatigué? Are you not tired? Si tu es fatigué, continueras-tu à traîner toi-même tes propres fardeaux? Will continue. Décharge tes soucis auprès de Christ. Keeping your own burden. Et il va te libérer. Put your burden upon Jesus. Oui. He will set you. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Uh-huh. Car lui-même prend soin de nous. Lui-même prend soin de nous. Himself take care of us. Alors, ta chair doit souffrir. So your flesh will suffer. Comme celle de Jésus as a souffert the one of Jesus à la croix. At the cross. Alors, Dieu t'impose ce brisement radical par son esprit, par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Afin que tu ne te glorifies point en ta chair en disant, c'est parce que j'ai fait, c'est parce que je suis, parce que non. La grâce de Dieu n'est pas manifestée envers nous seulement, envers tous les hommes. Et nous enseigne à renoncer aux impiétés. Dieu t'impose ce brisement radical par son esprit afin que tu ne te glorifies point en ta chair you not glorify yourself, mais pour que tu espères but you à la gloire du Saint-Esprit the glory of the Holy Spirit, en Christ par l'humilité Christ by humility, afin de porter des fruits in order to bear fruits, des bons fruits good fruits, et des œuvres and works, vivantes living works. Alors so, pour atteindre ce brisement en Christ, to attend that brokenness in Christ, il y a un combat spirituel à mener. There is a spiritual battle par l'esprit. By the spirit to do. Or, dans le plus grand combat spirituel, in the greatest spiritual Christ battle, a déjà eu la victoire. Christ get victory par l'œuvre de la croix. By the work of the cross. C'est pourquoi dans Hébreux 2, in 2 verset 14, verse 14, l'Écriture dit, the scripture comme says, les enfants participent à la chair, le sang, as children have blood, ils à lui-même, il y a lui-même participé. Participated. Alors, ayant participé, so,
Il anéantit le diable qui a la puissance de la mort. Alors la puissance de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. The power of the sin. Alors, le grand combat spirituel a été vaincu à la croix. Spiritual battle was dit dans 1 Corinthiens 15, overcome at the cross. 55 à 56. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Où est ta paix? Où est ta victoire? Car le péché a été englouti par la victoire. L'Écriture dit encore dans Apocalypse 12, 11. The scripture says in Revelation 12, Jésus a vaincu tout par son sang. Christ overcome all ils by l'ont his vaincu blood. Par le sang they overcome de l'agneau. By the blood la parole, of the lamb and by the words et le témoignage and the testimony de la saine doctrine. Of the sound doctrine. Alors, par l'œuvre de la croix, so by the work of the le cross, plus grand combat spirituel the most great s'est sorti par une victoire de Christ, ends by the victory of Christ pour nous for us, et pour sa gloire. And for his glory. Alors, à la croix, so at the cross, le diable a the été vaincu. Was overcome. La loi a été détruite. The law was destroyed. La chair, the flesh, le péché, the sin, et la mort and ont the été death engloutis was par la croix. Destroyed by acclame the cross. Jésus. Clap Jesus. Il a tout fait à la croix. He did all at tout the a cross. Été fait à la croix. All has been done at the cross. En dépit de ces choses, tu as un ennemi. Despite maintenant, all those ton things, ennemi, c'est qui? You have an enemy. Who is? Tu as un ennemi qui est avec toi tous les you jours. Have an enemy with you, et qui n'est pas encore détruit. That is not destroyed yet. Qui sera détruit de façon renouvelable. Destroyed, selon la révélation. Renewed, according to the revelation. Et une fois pour toutes, selon la and prophétie. Once at all, lors du son de la the trompette. At the ringing of a trumpet. Alors, cet homme en moi, that qui est mon ennemi, me, my enemy, se détruira de façon will be renouvelable jusqu'au dernier jour de l'enlèvement. By, c'est-à-dire, je dois participer au brisement. Ça, ce brisement to the brokenness. Est continuel. The brokenness is, pour que chaque fois continuously. Mon esprit se renouvelle dans le Saint-Esprit. For each time my spirit be pour renewed que chaque fois que mon homme extérieur se détruit, for each time my outside mon esprit se renouvelle dans le Saint-Esprit. And my spirit be renewed in the parce Holy Spirit. Le réveil, c'est la croissance because spirituelle. The revival is the spiritual mais increasing. Nous ne sommes pas rassemblés we are not pour gathered devenir to become worse. Pour être charnel, to be flesh mais pour croître en esprit, pour monter en dimension. To raise in dimension. Alors, le Saint-Esprit te so donne la Holy force Spirit de le faire. Gives you power to do it. Parce que ça, le Saint-Esprit, because you have the tu Holy Spirit, as déjà, tu as été, ce combat est un échec pour toi. This battle is a failure to you. Parce que le même Jésus qui because a remporté à la croix, Jesus dit, win at the pour pouvoir avoir la victoire, to have victory, je te donne le Saint-Esprit I give you the Holy et le sang de Jésus. And the blood of Jesus. Ce n'est pas la chair qui va avoir la victoire dans le combat contre la chair. That will get victory against mais c'est l'Esprit de Dieu, the fighting, un autre esprit qui triomphe de because, la chair par la foi. Okay. The Holy Spirit in us that triumph from our flesh by the work of the alors, cross. Alors, sachons quelque chose. Let's know l'Écriture one thing. Dit dans Job 32, verset 8. The scripture says in Job 32, en réalité, dans l'homme, 8, c'est l'esprit. In man is the spirit. Et l'esprit dont nous parlons ici, the spirit we are talking c'est here un esprit régénéré. Is a regenerated spirit. Qu'on appelle l'homme intérieur. The inside man, purifié par le sang de Jésus. Purified by the blood of Jesus. 1 Pierre 1, le verset 1. 1 Peter 1, nous sommes verse à la 1. Dernière phase. We are the last de l'enseignement, last, de la prédication sur le brisement par la croix. Last phase of the teaching. Oui. Oui. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 1. Oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce et l'Asie et la Bithynie. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit. Sanctification afin of the Spirit. Qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà. Le sang de Jésus est encore vivant. The blood of et Jesus is living. L'aspersion est continuelle. And the sprinkle is continuously. Que maintenant, c'est bon. Malgré que tu sois régénéré, despite you are tu dois savoir que tu portes une chair you should know that you have étant a flesh le moi extérieur as the
me. Il y a un moi outside, interne et un moi externe. Outside and le moi inside. Intérieur est le moi. Le moi intérieur plutôt est l'esprit. Is the spirit, et le moi extérieur and est the la chair. Outside is the flesh. Et c'est le moi intérieur que nous appelons l'homme intérieur. Et c'est l'homme extérieur. And the outside man, le moi, la chair. Is the l'homme extérieur. The flesh. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Maintenant, l'homme extérieur est la combinaison de l'âme the et le outside corps. Man is the combining l'homme of extérieur the soul est la combinaison entre the flesh. De l'âme et le corps. Parce que la chair même, because the flesh, c'est le sang. Is the et blood le corps matériel. And the material body. Or, les besoins de la chair the need of the sont flesh différents are different des besoins de l'esprit. From the need of the spirit. Les envies de la chair the desires sont étrangères of the flesh are aux besoins de l'esprit. Stranger to those of the spirit. Alors, so, Galates 5, verset 17. Galatians 2. Le please. Brisement est indispensable. Galatians 5, verse 17. Tu tourneras en rond. The brokenness. Sans ça, l'église tournera en rond et n'aboutira is very à rien. Available. Without that, you will turn around. Oui. Without attaining nothing. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. The flesh has desires. L'homme extérieur a des désirs contraires à l'homme intérieur. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et l'esprit a des désirs contraires aux désirs de la chair. Against those of the flesh. Ils sont opposés entre eux. Et les deux se sont opposés. They afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Afin que nous ne fassions point ce for que nous voulons. For you not do what you want. Alléluia. Amen. Alors ce brisement so est incontournable. Is unescapable. Et est possible par une force supérieure and à l'homme charnel. A superior power. C'est-à-dire qu'il y a une force supérieure there à l'homme charnel. A superior power to the flesh man. Et c'est la force du Saint-Esprit the power of the Holy Spirit attachée à l'homme spirituel tied en nous to the spiritual man qui us, anéantit that les désirs de l'homme charnel que nous appelons l'homme extérieur. We call the outside man. Quand nous lisons bien Romains 7, verset 22 à 25. When we read Romans, lisez Romains 7, verset 22 à 25. C'est clair le combat spirituel. It's la doctrine clear, du combat spirituel. The doctrine of a spiritual pour ceux qui battle, sont déjà affranchis du diable. For those who are set pour ceux from qui sont déjà devil, des chrétiens. For those who ce are combat spirituel est entre la chair et l'esprit. Is between the spirit and the flesh, entre le moi between the et le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Oui. Romains 7, verset 22 à 25. Romains 16. Romains 7, 22 à 25. Romains 7, le verset 22. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Hein? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ça montre qu'il y a deux hommes et deux lois. L'homme intérieur, l'homme extérieur, l'esprit et la chair, la loi de l'esprit et la loi de la chair. Il y a aussi la volonté de Dieu et la volonté de la chair. Oui, continue. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette qui mort. Qui me délivrera du corps de cette mort. Parce que, quoique tu n'es pas né de nouveau, if you are not born again, tu n'as pas eu l'expérience de la nouvelle créature. Experience of new creature. Tu n'as pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. You receive not the plan full of the Holy Spirit. Tu es condamné à mort. You are condemned to death. Tu es condamné dans le péché. You are condemned in the sin. Et le péché a le pouvoir sur and toi. And the sin has power on you. Pour être délivré du péché, to be delivered from the sin, il faut que le moi soit brisé. The I should be tu broken. Tu ne peux pas être libéré du péché you cannot be free par from ta propre force. By your own power. Le Saint-Esprit is the Holy Spirit, c'est l'œuvre de la régénération the work of qui a franchi par le sang de Jésus et la victoire de la by croix the blood of Jesus du péché. And the il a franchi of du cross péché. That set you from misérable the sin. Que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Poor I am, who can deliver oui. Me grâce from soit rendue this body. À Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, oui. Par Jésus-Christ notre par Seigneur. Par Jésus-Christ mon Seigneur. Ainsi oui. Donc, moi-même, je ne suis pas en entendement esclave de la loi de Dieu. Et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Esclave de la loi du péché. Parce que ce n'est pas la loi que nous connaissons le péché.
Donc il faut avoir l'affranchissement de la loi. Il faut que l'homme extérieur qui est basé sur la chair, la loi, soit anéanti. Il faut que ton esprit soit délivré de cet homme pour avoir la victoire. To have victory. Maintenant, lis le Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant, aucune condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui marchent selon l'esprit. Those who are walking according to the spirit, selon la chair. Not by pour flesh. Ceux qui ont For été brisés. Who are broken. Et qui ont reçu le baptême de régénération. C'est eux qui sont réellement sauvés. They are really et il n'y a pas de condamnation pour no ceux-là. Condemnation for those. Parce qu'ils sont en Christ. Oui. Because en they effet, are in Christ. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire la meilleure life, loi que le chrétien the doit avoir. Love a Christian should have, la loi du chrétien, the love c'est a Christian le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. Si tu n'as pas l'esprit, if you have not the spirit, ta loi est zéro. Your law is useless. Et tu es sous l'emprise du péché. Under the slavery. Si tu as l'esprit de Dieu, if you have a spirit tu n'es plus of God, esclave du péché. You are not slave. Tu n'es point sous la loi. You are not under the mais law. Tu es affranchi. But you are set. Et tu es délivré you are de l'homme extérieur. Oui. From the outside man. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Life in Jesus, the Holy Spirit. M'a affranchi de la loi affranchi du péché. De la loi set du péché, c'est-à-dire la loi des ordonnances charnelles hein, et de la mort. And of the death. Car dans Éphésiens 1, in Ephesians 1, Christ a anéanti la loi Christ des ordonnances des prescriptions. Of commands and prescriptions. Et Christ a réconcilié les and deux Christ hommes. Reconciled the two men. C'est-à-dire l'homme extérieur doit être soumis the outside au désir du Saint-Esprit. Or, l'homme extérieur, the Holy Spirit. L'homme extérieur ne peut pas the accomplir les désirs du Saint-Esprit. Desire si of the Holy sa force charnelle n'a pas été brisée, flesh, et si l'esprit est à l'homme intérieur, ne reçoit pas le désir du Saint-Esprit pour marcher selon l'esprit et la volonté de Dieu. The spirit in the inside man not receive the power of the Holy Spirit in order to please God. Alors, par l'œuvre de la croix, l'homme est délivré de son ego. So by the work of the cross, man je is veux que nous soyons delivered tous from his proudness. Délivré du corps du péché. I want us all to be delivered from the que body la croix, of the sin. Chacun tente vers la croix. Le message central cross. Du salut est l'œuvre de la the croix. Central message of il n'y a salvation point un autre message the à part the l'œuvre de la croix. There's no c'est-à-dire message la crucifixion du Fils de l'homme à la croix. Apart the work of the la cross. Déchirure du voile. The sowing of the curtain. L'anéantissement de la malédiction the de la loi. The sowing of the curse of the law. Christ est la fin de la loi. Christ is the end of et the law. Dit que Christ a anéanti la malédiction de la loi. Il a ôté la malédiction de la loi. Curse of the law. Pour que je sois dans la bénédiction du Saint-Esprit. Blessing of the Holy dans Spirit. La foi in faith et l'accomplissement des promesses and fulfillment divines of promises en moi. Of God in me. L'ego, la the chair, doivent être brisés par le sacrifice de la croix. By the de même que Jésus a été brisé, Jesus was nous broken, devons passer par le brisement. Take through brokenness. Passage important, very important incontournable, passage. Indispensable, forcé pour ceux qui veulent hériter la gloire et le salut. For those who want to inherit the celui glory qui a and Jésus, salvation. The one who has Jesus, celui qui a Jésus réellement the one who has a really le baptême Jesus, de régénération. Has baptism of regeneration. Celui qui est en Jésus the one in n'a Jesus pas peur. Is not afraid. N'a pas peur de l'enlèvement. Is not afraid from parce removal. Que si tu reçois le baptême de régénération because if you receive et que l'Esprit de Christ habite en toi baptism of regeneration, l'enlèvement de l'Église est une espérance de gloire. And the spirit of Christ live is une espérance dans la vivification. Is a hope. Dans la vivification. In living qui se manifestera dans notre glorification will manifest pour l'enlèvement. Glorification for the si removal. Tu es né de Dieu, if you are born from par la God, foi, by faith, tu triomphes du monde. You triumph from the world. Gloire à Jésus. Amen. Es-tu né de Dieu? Are par cet enseignement, le Saint-Esprit t'enseigne le brisement. The Holy Spirit teaches you brokenness. T'accorde la nouvelle naissance. And give you the new born. T'accorde la naissance give you the spirituelle, la régénération born, de l'esprit. Regeneration of the spirit. Afin que tu vives en Christ. In order to live et que in Christ, Christ habite en toi. And Christ lives in you. Alors, lisons Romains 6, verset 5 à 6. Let's read Romans 6. Romains 6, verset 5 à 6. Romans 6, verset 5 à 6. Oui. En effet,
Si nous sommes devenus une même empreinte avec si lui, si nous sommes devenus une même empreinte, c'est-à-dire nous sommes à l'image become, de Jésus-Christ, we are the image of Christ, oui, avec lui, par la conformité him, à sa mort, à la conformité à sa mort, conforming in his nous death, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection, oui, sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Est-ce que c'est crucifié? Is that crucified? Est-ce que ce moi est crucifié? Is that I crucified? Est-ce que c'est crucifié? Is that crucified? Si ce n'est pas crucifié, if that is not crucified, l'esprit ne peut pas se mouvoir. The spirit cannot move. L'esprit ne peut pas te conduire. The spirit cannot drive you. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jean, the scripture says in John, crois qu'il croit ce que je diminue. Let him increase and I decrease. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pas l'œuvre de la croix. By the work of the le cross, corps du péché doit être détruit. Of the sin c'est ça qu'on appelle destroyed. Le brisement. That's what we et call ce qui donne la force au péché, c'est and la loi. Give power alors Christ a d'abord anéanti la loi. Sin is the law. Et comme le Christ diable tue la loi pour dominer law. L'homme, il a anéanti aussi le diable. When the devil used et comme la the loi donne la mort, destroy, il a aussi anéanti la mort. Man, he destroy also alors the devil, nous devons also the death. Notre vieil homme, c'est-à-dire so l'homme our, extérieur, outside man should be broken. Pour que notre esprit for our spirit se renouvelle dans le Saint-Esprit. Be renewed in the Holy Spirit. Pour que notre esprit for our spirit monte au ciel. It raise in heaven. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah, voilà. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. For us not be slaves of the sin. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de notre, jour en jour. Lorsque notre homme extérieur se détruit, when our lorsque la, nous man, sommes brisés, when we are lorsque broken, le moi est brisé, the I alors is notre broken, homme intérieur, our inside, notre esprit our se renouvelle de jour is en jour. Day c'est-à-dire, after day. L'esprit de Christ fortifie notre esprit. Strengthen our spirits. C'est pourquoi l'Écriture dit je puis tout. Reason why the scripture says, dans Somme, dans Philippiens 4. Do all. Je peux tout par celui qui me fortifie. Everything est-ce by que the tu one peux tout par celui qui te fortifie? Can you do everything by ou bien the one tu peux who tout you? Par toi-même. Tu or peux you tout do everything par ta by propre your volonté. Own will. Oui, c'est bon? Lisons Jean 3, 30 à 31. John 3, verse 30 to 31. Jean 3, le verset 30 à 31. Hein? Il faut qu'il croisse. Il faut que Christ croisse. Jean, Christ should increase. Le baptiste a vu Jésus venant. C'est John baptized saw Jesus coming. Il faut que Jésus croisse et qu'il Jesus diminue. Should increase. Ça, c'est and came to decrease. Ça, c'est la graduation that même du brisement et de la gloire. The graduation Christ of the brokenness. Christ doit monter. Christ doit croître increase, et s'élever à niveau en moi. Et que le moi highest, qui combat le Christ en moi soit brisé. That fight Christ in me should be et broken. Que je m'abaisse et que Christ and s'élève I decrease en moi. And Christ la volonté in de Christ des, the will of de produit Christ des chrétiens spirituels, des hommes spirituels, produce des esprits spiritual man, et non spirits, des hommes de chair. Not flesh men. Oui. Il faut qu'il croisse. Et que je diminue. Hein? Oui. Car celui qui vient d'en haut the one est au-dessus comes de tout. Celui qui vient d'en haut, c'est Christ. Il est le seul qui est monté, qui est descendu. All. Il est Christ. Hein? Celui qui est de la terre. Celui qui est de la terre est de la terre. Est de la terre. Earth, celui qui earth. N'est pas né de nouveau parle comme the one who is not born un homme. C'est-à-dire, il est charnel. Il parle like à la manière terrestre. The flesh man. Et se glorifie en lui-même. And glorify in himself. Et il parle comme étant de la terre. Uh-huh. Celui qui vient du ciel est au-dessus. Celui qui vient du ciel est au-dessus. The one comes from heaven is alors, above. Alors, reçois Jésus. So receive Jesus. Reçois Jésus qui receive vient du Jesus. Ciel. So you to ce be qui est terrestre. Above all that est-ce que is from. Pour que tu renonces à ça. Touch the summit. Nous allons expliquer un verset.
We will explain a verse. Un verset doctrinal. A doctrinal verse. Les chants ont déjà entonné le chant. Galatians 2, verse 20. Pour monter dans la gloire, to increase pour atteindre in glory, la dimension de la gloire, to attend the level voici of glory, ce que nous devons savoir. This is what we should know. Lisez-moi Galates 2, 20. Galatians 2, verse 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'abord, contextuellement parlant, in this context, selon la connaissance, l'apôtre Paul parlait à un public qui était dans l'hypocrisie par rapport au judaïsme, à la loi. Public who was an hypocrisy, d'abord, nous voyons qu'il a repris prière qui imposait des lois aux gens, mais qui ne pratiquait même pas la loi. Et c'est là que nous rappelons de l'Écriture où Jésus disait aux pharisiens, vous êtes hypocrites parce que vous mettez des fardeaux difficiles sur les gens que vous-même, vous ne pouvez pas pratiquer. Alors, ayant repris Pierre, l'apôtre Paul lui a enseigné la justice de Dieu par la foi. Taught him justice of God by faith. Que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme peut parvenir au salut. Ce n'est pas par la justification selon la chair que nous pouvons hériter le royaume des cieux. It's not by justification, alors, by il va faire une démonstration. We cannot inherit qui est la base doctrinale même, la we'll base de la sainte doctrine. Galates 2, 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. I have been crucified c'est with Christ, Christ qui vit en moi. And I no longer live, si but je vis Christ dans la foi au me. Fils de Dieu, qui m'a sauvé, qui s'est livré lui-même pour moi. I live by faith in the Son of God. Alléluia. Who loved me. Quelle est la signification de ce verset? And gave himself for quand me. Quand il dit j'ai été crucifié. When he said I was crucified. Qui a été crucifié? Who was crucified? C'est l'homme extérieur qui a été crucifié. It is the outside par man. Par le brisement au moyen de la croix. By the brokenness by the cross. Comme il a compris as que c'est propre Dieu. Parce que l'apôtre Paul. Because the apostle quand Paul, vous lisez Philippiens 3, when we read Philippians 3, vous allez comprendre que l'apôtre Paul était un persécuteur des églises, the one who persecutes un persécuteur de ceux churches, qui vivaient dans la foi. Those who were living in faith. Il croyait aimer Dieu, he mais il combattait God, les chrétiens. But he fought Christians. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul pensait même être sauvé, the apostle Paul think that parce he was saved because il pensait que c'est lorsqu'il était docteur de la loi, when il pratiquait he was cette loi, teacher il serait of the law, sauvé. Mais il ne connaissait pas Jésus. But he didn't know Jesus. Mais il servait Dieu. But he was serving mais God selon saved. La loi et la chair. But according to the law alors the il a fallu que l'apôtre Paul rencontre Jésus so, Paul sur le chemin Jesus de Damas on the way pour connaître of réellement Damas qui est le Jésus really qu'il persécutait. Jesus, peut-être toi-même tu combats Jésus maintenant sans maybe savoir. Yourself, you are fighting peut-être Jesus que tu persécutes Jésus indirectement you are persecuting Jesus de la même manière que Paul le faisait without knowing, indirectement. As Paul was mais done. Tu dois savoir but you should que know. L'on ne peut régimber contre les aiguillons. We cannot stand against the flesh. La chair que nous avons the combat les choses de l'esprit. Fight things of the flesh. Alors, que so, un esprit, by celui spirit, qui est un esprit, the one qui met sa spirit, confiance à Christ, put confidence est plus fort into Christ, que celui qui est dans le monde. More stronger than or, celui qui est dans le monde a été vaincu the par one le diable, in the world was par les œuvres de la chair, divine, de la loi et du péché. By the work of the flesh, the sin. Et comme l'apôtre Paul a vu que as the apostle la justice saw, qu'il pratiquait était imparfaite was unperfect pour assurer le salut, to ensure salvation, ayant vu Jésus, seen il reçoit Jesus, la révélation he received sur Christ, revelation on Christ crucifié. Crucified. C'est pourquoi il dit quelque part, je ne saurais prêcher notre évangile que Christ crucifié. Teach another gospel car Christ en nous, l'espérance Christ de la crucified. Gloire. Christ il dit encore, dans Galates 1, si quelqu'un prêche un autre Jésus, qu'il soit anathème. In Galatians 1, quand he vous said, lisez ce verset, beaucoup comprennent prêche mal. Prêcher un autre Jésus, c'est to de prêcher Christ, la loi et non la grâce. The law, not the grace. Prêcher un autre Jésus, to preach another c'est de prêcher Jesus, un Jésus to preach vaincu par Satan. C'est comme Jesus si overcome by Jésus Satan. Est incapable de sauver les it's hommes. Like Jesus is unable to save men. C'est prêcher un Jésus qui n'opère pas par le Saint-Esprit. To say Jesus who is not or le vrai Jésus est le Holy Jésus Spirit, qui opère but the true par Jesus la croix, the one le sang qu'il a versé, cross, le Saint-Esprit. His blood, the Holy Spirit. Quel Jésus connais-tu? What Jesus do you Paul know? Connaissait un autre Dieu. Paul knew another God. Nicodème connaissait un autre Dieu knew another God. Qui
qui n'était pas Jésus. Who was not Jesus. Alors, comme ils ont découvert Jésus, as they discovered Jesus, ils sont nés de nouveau. They are born alors, l'apôtre Paul va faire cette déclaration avec assurance. With insurance. J'ai été crucifié avec Christ. I c'est-à-dire, was crucified with mon Christ, homme extérieur, quand je ne connaissais pas Jésus, man, c'était mon homme extérieur qui parlait, ma chair qui parlait. Outside man il was faisait des dégâts. Mais comme j'ai connu le vrai Jésus, when I knew the good mon Jesus, homme extérieur, my mon homme man, extérieur, man, ma chair, my flesh, ma volonté, my will, mes pensées, my thoughts, ont été crucifiés were crucified avec Jésus. With Jesus. C'est ça, tu dois être crucifié avec you Jésus. Be crucified with Jesus. Tu ne dois pas échapper à you ce brisement. Escape that brokenness. Parce que nous ne sommes rien. Because we are nothing. Et nous ne pouvons rien faire sans and Jésus. Can't do anything without car nous Jesus. Sommes les serments. Because si we le are serment branches. Se détache du cèpe, if the branches unlock, il n'aura pas de vie en lui-même. Itself from the vine, c'est le cèpe qui maintient les serments. Have life in himself. L'homme extérieur, la chair, the outside man, a été the flesh crucifié avec was crucified avec Jésus-Christ. Jesus. Maintenant, si now, je vis, if I am living, le je qui vis là, the je I n'est plus l'homme extérieur. Is not the outside la chair man. Qui est crucifié, le moi qui the est crucifié, crucified man est l'homme charnel. Is the flesh l'homme animal. Man, the animal. Alors si man. Cet homme a été crucifié réellement, if that man was crucified, si tu really, vis, if you are living, ce n'est plus l'homme charnel qui vit. Is not the flesh man who is living. Mais, le jeu qui vit là. But the eye who is living, c'est l'homme spirituel, is l'esprit. The spiritual man, the spirit, qui vit. Who is living, qui vit en Jésus-Christ. In Jesus. Alors si je vis, si l'homme intérieur so vit, if the l'homme régénéré, man, l'esprit, the spirit, régénéré vit, the inside man, the ce spirit n'est live, plus l'homme extérieur is qui not vit. The outside man who is ce living. N'est plus la chair qui is vit. Not the flesh who is living. Ce n'est plus le moi is not de l'orgueil, de la vanité, the proud, de la vaine gloire the qui vit. Glory who is par living. Le de la croix. By the word of si the cross, l'homme intérieur vit, the si mon esprit living, régénéré vit, is my ce n'est plus mon homme charnel qui vit. Is not my flesh la man chair who is doit living. Être engloutie dans la victoire. The flesh will be destroyed in victory. C'est Christ. Is Christ. Dis avec moi, c'est Christ. Say with me, it's Christ. C'est Christ. It's Christ. Qui vit en moi. Who is living in me. Oh, ce Christ qui vit en moi. But that Christ living n'est pas in la loi me du péché, de la is mort. Not the law of the sin. N'est pas la loi de Moïse. Is not the law of Moses. Qui était gravé sur des tables de who pierre. Who was written on stone non. Tables. Mais la, Christ qui vit en moi. But Christ in me. C'est l'esprit. Is the spirit de la liberté qui vient of moi. Freedom in me. C'est la loi is the de law la sainte doctrine of qui habite dans mon esprit. Living in my spirit. Et si je vis en Christ, and if I'm living in Christ, et que Christ vit en moi, Christ living in je me, ne suis plus sous l'esclavage I'm no longer in slavery des démons, of demons, je ne suis plus sous l'esclavage I'm no longer in slavery de la loi, of je law, ne suis plus sous l'esclavage des I'm hommes, no longer in slavery mais of men, je suis racheté par but le sang de Jésus, rebuy, je redeemed. Suis serviteur de by Dieu. The blood of Jesus, c'est pourquoi l'Écriture dit, dans le livre de Romains 6, 22, l'Écriture dit, ayant été affranchis du péché, nous sommes esclaves de Dieu. Ayant pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. We were set by the sin and we have as fruit the Holy Spirit and the eternal life. C'est Christ qui vient à moi. Christ lives Christ, in me. La loi du Saint-Esprit. Christ, qui law vit dans mon Holy esprit Spirit, et qui assujettit, qui domine ma chair pour que ma chair n'accomplisse plus sa volonté mais la volonté du Saint-Esprit. Dominate my flesh for my flesh not fulfill his own si will. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, si mon homme intérieur vit dans la foi au Fils de Dieu, if my inside man live in faith to the Son of God, si mon moi ne vit plus, ma chair, mon homme extérieur n'a plus de pouvoir, if my eye is no longer c'est living, c'est par là que Christ m'a sauvé. Then Christ saved parce me. Qu'il s'est livré lui-même pour moi. Because he gave pour himself moi. To me. Il s'est livré pour mon salut. For my salvation. Il s'est livré lui-même à la croix at pour cross, que mon esprit, mon âme for et my mon corps spirit, my soit soul assujetti and body à la volonté du Saint-Esprit. Under the will of the Holy voilà Spirit. Comment l'homme brisé, then the l'homme broken affranchi, man, l'homme rempli du man, Saint-Esprit, man l'homme régénéré Spirit, selon la sainte doctrine, parle. Man, il ne parle plus selon l'homme speak. Chanel parce que je pratique ça, que je suis sauvé. He parce not que je because non, I parce do que this, I am Christ saved. Habite en moi, because je suis Christ sauvé. Me, I am saved.
J'ai été crucifié avec Christ. Ma chair, mon homme extérieur a été crucifié avec Christ. My flesh was crucified by Christ. Si mon homme intérieur vit, if my inside man is par living, le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, ce n'est plus mon homme extérieur qui vit. It's not my outside man who's living. Car c'est Christ qui est la loi spirituelle. Because Christ is le the Saint-Esprit, spiritual law. La sainte doctrine spirituelle qui habite dans mon cœur spirituel, qui habite dans mon esprit, living in my spirit, qui vit en moi, living in me. Oh, si je vis dans la foi. If I'm living in au faith de Dieu, to the Son of God, et non moi-même, not myself, et non pour moi-même, not to myself, alors je so crois que Jésus-Christ m'a sauvé that Jesus saved et qu'il me s'est livré lui-même and he gave pour himself moi à la to croix. Me at the cross. Que cela s'accomplisse dans ta let vie. That fulfill your life. Que la puissance de la croix t'accorde the power of cross, la vraie régénération. Give you the good regeneration. Et cette régénération that regeneration passe par le brisement. Take through brokenness. Passe par le brisement. Take through brokenness. Le brisement est important. Brokenness is very important. Et c'est là l'Esprit de Dieu va commencer par t'utiliser. And the Spirit of God will start using you. C'est parce que plusieurs sont charnels. It's because many are in flesh. Qui sont sous l'emprise du péché. They are under slavery of sin. Parce que la loi n'a pas été engloutie en eux. The law was not swallowed. Parce que le péché et le diable n'ont pas été vaincus en eux. Was not overcome quoique Jésus les a déjà vaincus à la croix, even Jesus eux-mêmes overcome ont them renié at the cross la croix themselves, et le sang de l'agneau, the cross s'adonnant the blood à of leur the lamb, propre justice, giving themselves their own flesh justice. Alors, la grâce donne à l'homme par le Saint-Esprit so grace, le pouvoir give by the Holy de vaincre power le péché. To overcome the sin. Par, passant par le brisement de l'homme taking extérieur, by the brokenness of par le brisement de la chair, outside man, par la résurrection de l'esprit by mort, resurrection of a autre passé par les offenses, spirit, né d'esprit, offenses, par le Saint-Esprit, born by spirit, by the Holy Spirit. Gloire à Jésus. Alors, so, l'humilité précède la gloire. Humility et pour atteindre ce brisement glory, indispensable, to attain that le l'humilité de la chair humility of the sea, et l'ascension de l'esprit par le Saint-Esprit. And the cleansing of the Holy Spirit. Alors la foi en Jésus so faith seul, in Jesus only, la foi seule en Jésus only faith in Jesus, est incontournable, indispensable is available pour le vrai brisement, for the good pour la gloire du Saint-Esprit for the glory dans of the l'homme Holy intérieur in the inside man in Christ. Ainsi, so, la chair sera the flesh toujours détruite will be always si nous destroyed. Avons confiance au Saint-Esprit. If we have confidence et on the Holy Spirit plus marcher selon and nos we besoins, cannot walk according to our own will être un homme né d'esprit, but be a man born by spirit. Dit, fait comme ça, il fait. When the Spirit fait comme ça, say, il fait. Do this, écoute he ceci, does. Il écoute. Do that, he pratique does. Ma parole et il practice écoute. My word, he listen. Il n'a plus besoin de demander à son frère qu'est-ce que l'Éternel veut que je fasse. Non. Brother, what the Lord parce que l'Esprit to do, qui est en lui, qui habite en lui, lui donnera la loi du Saint-Esprit dans son cœur pour qu'il marche selon Christ for him to walk et pour qu'il to soit Christ, enlevé au jour du Seigneur. Alors, nous comprenons par là que l'humilité précède la gloire, comme je l'ai dit. Et as c'est I alors told. Que tu comprendras and then you will understand par cet enseignement by this teaching, que tu n'es rien sans Dieu, that you are que je ne suis rien God. Sans Dieu, I am nothing without que God. Tu as besoin de brisement, you need j'ai brokenness. Besoin de brisement. I need brokenness. Nous avons tous besoin du brisement sans laquelle brokenness. Le Saint-Esprit ne peut absolument rien without faire, it, the Holy sans laquelle le Saint-Esprit n'a même pas de pouvoir. Without it, the Holy Spirit parce que le no pouvoir que power. Le Saint-Esprit a because the power par la croix est la crucifixion de la chair et l'élévation of the flesh de l'esprit and par la of the spirit régénération. By regeneration. Alors, tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. You can nothing tu without ne peux the Holy être purifié sans le sang de Jésus. You cannot be purified without the blood of c'est Jesus. Pourquoi seule la reconnaissance de la valeur de l'esprit de Jésus, recognizing de la grâce de Dieu, of de la Jesus, puissance du Saint-Esprit, of grace of God, peut te briser of Holy Spirit, et te glorifier en Christ. You and glorify you in Christ. C'est là l'Écriture dit dans Galates 5, verset 24. Then the scripture says, lisez-moi Galates 5, verset 24. In Galates 5, verset 24. Galates 5, le verset 24. Mm-hmm. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors l'Écriture là va s'accomplir. Sinon, si tu n'as pas encore reçu le brisement, frère, if you don't receive tu n'es the pas brokenness, encore à Jésus-Christ. You are not in tu es Christ en train de chercher yet. À connaître Jésus. You are searching to know et Christ. Sache en toi, dis en toi-même, à partir d'aujourd'hui, from now, je veux chercher Jésus. I want to search Jesus. Cherche la face de Dieu. Search the je veux face connaître of God. Jésus. I want to know je veux Jesus. Avoir une expérience avec I want Jésus. To have experience with Jesus. Et tous les hommes qui ont une expérience avec Jésus all men who had experience ne sont plus with la Jesus même personne.
acclame no Jésus. Longer the same person. Clap Jesus. Ils ne sont plus les mêmes personnes. They are no longer the same one. Oui. Ceux qui sont qui à sont Jésus, Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses passions et ses désirs. Acclame Jésus. Clap Jesus. Il faut que tu subisses le brisement de la chair. You should take through brokenness of the flesh. Et tu vas voir, l'esprit va commencer par opérer. The spirit will start operating. Il va commencer par t'amener dans les lieux élevés. Bringing you at the highest place. Il faut place. Que tu te livres totalement à Jésus. You give yourself totally Il to faut Jesus. Que les membres que tu utilisais dans la loi, dans le péché, in the sin, auparavant, in the law, tu les utilises aujourd'hui use dans la grâce, in the grace, dans la sainte doctrine, in the sound dans la volonté du Saint-Esprit. In the will of the Holy Spirit. Et l'homme né de nouveau, and the newborn, l'homme spirituel, is a spiritual man. L'homme qui n'a pas confiance en la chair, the man who has no confidence n'a pas confiance in flesh, en la loi, no mais a confiance en la foi en Jésus, confidence in faith au Saint-Esprit, qui produit en lui des œuvres meilleures pour le permettre d'entrer au ciel. Words, et c'est par là que nous serons dans une dimension de gloire en Christ. Then we'll be in a dimension si of nous glory comprenons in ces Christ. Choses sans murmure et If que nous donnons au things, Saint-Esprit de glorifier Jésus murmuring, en nous, parmi nous et dans l'Église. And we let the Holy gloire Spirit au Seigneur Jésus. Glorify him in us, by us. Glory to the Lord Jesus.